Pour vous, Monsieur Claverol, qu'est-ce que c'est qu'être psychanalyste? C'est une question à laquelle il n'est pas possible de répondre. Parce que si le psychanalyste a des états d'âme, il n'a pas à en faire état, et encore moins en faire étalage. Il n'y a pas d'être du psychanalyste. Ce qui différencie la psychanalyse des autres professions, c'est que ça ne se réduit ni à un savoir, ni à un savoir-faire. Il s'agit vraiment de quelque chose de tout autre, où le psychanalyste se trouve engagé d'une façon différente, spécifique, avec son désir, et ce qui n'est pas sans poser des problèmes. On ne peut donc pas dire véritablement qu'il y a un être du psychanalyste qu'on pourrait contempler en quelque sorte de l'extérieur. Mais alors, la psychanalyse, pourriez-vous dire qu'est-ce qu'elle est? Vous voulez dire par rapport à quoi? Par rapport notamment à la médecine, à la psychiatrie, ou également par rapport à la religion, à la philosophie, ou par rapport aux sciences. La psychanalyse se situe d'abord d'une façon relativement négative par rapport à tout ce que vous venez de dire. Elle a été, très certainement au début, une branche de la médecine à visée thérapeutique. Et si Freud a peu à peu avancé des concepts psychanalytiques, c'est à partir des échecs de la médecine, des impasses de la médecine, notamment dans ce qu'elle avait été conduite à faire du côté de l'hypnose. Mais la psychanalyse, très vite, s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas en rester là. Et Freud a dit que la psychanalyse ne pouvait notamment pas accepter d'être quelque chose comme la bonne à tout faire de la psychiatrie. Elle doit notamment s'occuper d'un champ qui est infiniment plus large que celui qui est celui de la médecine. Mais ce qui me paraît surtout caractéristique, c'est que la psychanalyse a montré la fragilité, à nos yeux, de concepts tels que celui de guérison. Le concept de guérison est quelque chose de guérison et de normalité, c'est quelque chose d'assez repérable en médecine, quoique pas d'une façon tellement facile, le livre de Canguilhem en particulier le montre. Mais en ce qui concerne la psychiatrie, c'est déjà beaucoup plus difficile, il suffit de voir comment nos experts auprès des tribunaux généralement cafouillent, ont du mal à préciser leur position. Pour ce qui concerne la psychanalyse, c'est vraiment d'une façon beaucoup plus radicale qu'elle peut se situer par rapport à l'idée d'une guérison. Ça ne veut pas du tout dire pour autant que la psychanalyse ne guérisse pas au sens où on l'entend habituellement. C'est-à-dire que, bien évidemment, la sédation des symptômes, la diminution de l'angoisse, une amélioration de la vie, enfin, toutes sortes de choses qui sont à peu près repérable dans un discours qui serait un discours d'ordre médical, ce sont des choses tout à fait certaines, ça. Y compris, je tiens à le dire, y compris ce qu'on peut appeler véritablement la guérison de choses tout à fait graves comme les psychoses. Mais enfin, ce qui est caractéristique, c'est que la psychanalyse ne peut pas se satisfaire de ça. Quand Freud disait qu'au fond, la psychanalyse guérissait la souffrance névrotique pour la remplacer par un malheur ordinaire, c'est quelque chose qui, au fond, peut être tout à fait repérable, comme une sorte de guérison au sens
habituel du terme. Mais il est sûr qu'en même temps, ce malheur ordinaire, c'est quelque chose d'inacceptable. Alors, quand un patient, c'est tout à fait souvent que les choses arrivent de cette sorte, quand un patient voit une assez rapide sédation de ses symptômes, par exemple à la faveur du transfert, au début de l'analyse, ce n'est pas du tout pour autant qu'il se considère et qu'on peut le considérer comme guéri. On en est plutôt au début, au béaba de quelque chose qui va être toute l'analyse et qui va par la suite se prolonger pendant un temps finalement fort long. Y aurait-il un domaine qui relève du recours à la psychanalyse et un autre qui relèverait plutôt de la psychiatrie? Quelles sont les différences dans les indications à l'analyse? Eh bien, justement, le terme même d'indication qui nous vient de la médecine n'est pas tout à fait convenable. Bien sûr, en gros, on peut dire que la psychanalyse s'intéresse tout particulièrement aux névroses, un peu moins aux perversions, et pas du tout aux psychoses. Mais en même temps, ce n'est pas exact. Parce que la psychanalyse peut étendre son champ d'une façon beaucoup plus large, et d'autre part, il est certain que certaines névroses graves ne guérissent pas, ne s'améliorent pas avec la psychanalyse. Ce qui est beaucoup plus important et ce qui est beaucoup plus spécifique avec la psychanalyse, c'est que il s'agit de voir, de repérer si, de la part de l'analysant, il y a, du futur analysant, il y a quelque chose comme une demande recevable, une certaine possibilité pour lui de négocier quelque chose à partir de ses symptômes, à partir de sa souffrance, de telle façon qu'on puisse en faire quelque chose qui s'inscrit dans le langage et qui devient du même coup maniable. Pour répondre à votre autre question, je dirais aussi que la psychanalyse, à coup sûr, n'est pas une religion. Freud disait que c'était les deux périls qui attendaient la psychanalyse, c'était d'être récupéré par la médecine ou d'être récupéré par la religion. De fait, il y a des psychanalystes qui, finalement, ne considèrent la psychanalyse que comme une variété de psychothérapie. Et à ce titre, la psychanalyse s'inscrit dans un chapitre de la médecine. De la même façon, on peut tout à fait dire que la psychanalyse, et probablement surtout depuis ces dernières années, a une très grande tendance à se constituer comme une sorte de religion. Une sorte de religion avec, je dirais, en somme, une façon de concevoir qu'il s'agit d'un certain style de vie, d'un certain rapport au désir. Je dirais que peut-être ce serait une sorte de religion du désir. Et il y a eu certaines tendances de la part de certains analystes à faire de la psychanalyse une sorte de religion de cet ordre. Quelquefois de façon tout à fait explicite, mais aussi d'une façon beaucoup plus sourde, beaucoup plus sournoise, quelque chose tend à s'établir de la sorte. Je prendrai un exemple. À l'heure actuelle, on voit de plus en plus de gens à qui on demande « Mais pourquoi voulez-vous faire une analyse ?» Et ils vous répondent comme ça que...
Et les gens répondent que, eh bien, ça fait quelques années qu'ils pensent à l'analyse, mais ils résistaient. Alors ils résistaient, ils expliquent comment ils résistent de moins en moins, comment ils ont été intéressés. C'est-à-dire qu'ils en parlent comme d'une conversion qui est à faire et qui ne s'est faite que peu à peu. Ils ont reçu un moment une sorte d'initiation, une sorte d'intérêt progressif, et puis ils ont résisté. C'est-à-dire qu'il y a là une tendance qui est à mettre certainement sur le compte des analystes eux-mêmes, dans la mesure où ils peuvent y céder, dans la mesure où ils peuvent théoriser la psychanalyse de façon telle que ça s'y prête. Mais il est bien certain qu'il y a là aussi toute une tendance du public qui est de rechercher dans la psychanalyse une sorte de nouvelle religion. C'est un phénomène de ces dernières années, mais c'est un phénomène qui a existé dès les débuts de la psychanalyse. La tendance de Jung va absolument dans ce sens. Jung a pensé principalement à rattacher ce qui lui était donné d'observer à des mythes qui seraient, d'après lui, tout à fait universels, qu'on pourrait retrouver partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de constitution de l'idée qu'un inconscient collectif serait englobant de toute chose. C'est une sorte de vision du monde qu'il a cherché à imposer là. Je pourrais dire de la même façon, bien que ce soit dans une perspective finalement beaucoup plus médicale, mais quand Reich proposait toute une sexologie et toute une thérapeutique par l'orgasme, en espérant ainsi guérir les névroses, il était aussi avec une sorte d'idée de la psychanalyse qui est en même temps une sorte de conception très précise de l'homme. On peut dire que Guattari a repris quelque chose de la psychanalyse en parlant de l'homme comme une machine désirante. Et à partir de là, il peut construire toute une élaboration, mais qui est une élaboration philosophique, qui n'est pas à proprement parler une élaboration psychanalytique, puisque la psychanalyse montre au contraire qu'il n'y a pas de désir qui puisse prétendre être autonome, que le désir, c'est toujours désir de l'autre, c'est toujours désir pour l'autre et désir que l'autre a pour soi. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose d'infiniment plus complexe. Je crois qu'on pourrait dire que toutes les orientations de type philosophique ou de type religieux tiennent toujours à ce que les psychanalystes font, reprennent un défaut bien courant chez les médecins. Les médecins ont toujours aimé être les médecins philosophes. Eh bien, il y a des psychanalystes philosophes. Généralement, ce que font les médecins comme ça, c'est très mauvais. Et ce que font les psychanalystes de cette façon, c'est également très mauvais. Et cela tient à une raison. C'est que la psychanalyse n'est pas une anthropologie. Elle ne peut pas prétendre parler de l'homme. Elle parle pas de l'être de l'homme. Là encore, on retrouve cette question de l'être. Elle parle plutôt de son manque à être. Et de son manque à être comme constituant son désir, comme constituant la racine profonde de son rapport à l'autre et de sa souffrance aussi. Comment vous définiriez ce qui relèverait plutôt d'une intervention psychiatrique que d'une intervention analytique ? Ce que je peux vous dire n'est que très schématique. Mais il est certain que la psychiatrie est en grande partie définie par quelque chose qui est de l'ordre de la pression sociale. C'est-à-dire que quand quelqu'un se met à avoir des troubles patents qui font scandale pour l'entourage, pour la société, à ce moment-là, le recours au psychiatre est quelque chose qui devient obligé, avec tout ce que ça peut comporter de recours aux médicaments, de recours à une hospitalisation, etc. Pour ce qui concerne la psychanalyse, la demande doit au contraire venir impérativement
du sujet lui-même. Et même s'il peut y avoir eu des influences extérieures qui ont joué, si ce n'est pas pris en compte par le sujet lui-même, l'analyse ne s'y roulera pas. On ne peut pas dire à quelqu'un, faut faire une analyse, c'est ça qu'il faut faire, et ça marchera tout seul. C'est pas vrai. Ça ne marche que si vraiment le sujet est animé par le désir véritablement de faire quelque chose pour repérer autrement sa façon de concevoir la vie. Quelle a été pour vous l'importance de Lacan dans la psychanalyse en France? L'importance de Lacan est tout à fait décisive. Pour la psychanalyse en France, bien sûr, mais je dirais aussi dans le monde. L'importance de Lacan est tout à fait sous-estimée pour une raison. C'est qu'il a été, comme vous voulez, bénéficiaire ou victime d'un phénomène de mode, d'un phénomène de parisianité, qui fait que tout le monde l'a connu, tout le monde est allé à son séminaire, tout le monde l'a admiré ou s'est scandalisé de ce qu'il faisait. Mais cela, ça reste un phénomène de parisianité, et tous ceux qui ont pu contribuer à ce triomphe de Lacan dans les années 70 à 80 sont aussi tous ceux qui sont prêts à traiter de ce phénomène comme ils traitent de tous leurs engouements passagers. Ils pensent avant tout que ça va passer. Lacan, c'est véritablement tout autre chose. C'est tout autre chose, et ce qui est beaucoup plus grave, bien entendu, que cet engouement, c'est que les psychanalystes, finalement, sont restés quelque peu stupéfaits, comme on peut l'être devant une œuvre hors du commun. Et vous entendrez un peu partout des gens vous dire « Je suis lacanien, mais... » reprenant par là un « oui, mais » qui a eu son succès dans les milieux politiques. C'est une position tout à fait discutable. Tout à fait discutable parce que c'est une façon de dire « mais oui, je suis au courant du phénomène à la mode. » Mais j'ai ma petite personnalité, j'ai mes petites idées à moi, j'ai mes théories. C'est en quelque sorte une façon de se préserver et c'est une façon de méconnaître l'essentiel. Il est arrivé la même chose à Freud. Il n'y a donc pas du tout lieu de s'étonner que ça arrive aussi à Lacan. Mais on ne peut pas du tout prendre Lacan comme ça, par petits bouts ou en partie. Quand Lacan dit, pour résumer dans une seule phrase quelque chose de tout à fait important, quand il dit « l'inconscient est structuré comme un langage », eh bien on ne peut pas dire que l'inconscient est un petit peu structuré comme un langage, ou que c'est un aspect théorique comme ça, secondaire ou relativement accessoire. Si on admet qu'effectivement l'inconscient est structuré comme un langage, ça définit tout un champ pour la psychanalyse, qu'il étend très largement au-delà de la psychopathologie, par exemple, et au-delà même de ce que Freud avait pu élargir concernant le champ de la psychanalyse. Et ça entraîne à des quantités considérables de considérations concernant le sujet, concernant l'objet, concernant l'imaginaire, le réel, et bien d'autres choses encore, qui sont tout un ensemble théorique qui a sa cohérence et qu'on peut prendre dans son ensemble ou qu'on peut rejeter, bien entendu. Ce qu'a fait Lacan, et à mon avis c'est tout à fait décisif, il a repris l'ensemble de l'œuvre de Freud. C'est de là qu'est parti son enseignement. Et il a montré que c'était un ensemble d'une totale cohérence qui formait l'ensemble de la théorie psychanalytique. Et si vous voulez, si Freud, lui, a été victime de ce que son œuvre a surtout été interprétée dans une perspective biologisante d'une part et dans une perspective génétique d'autre part,
aussi dans une perspective psychologisante. Freud a été victime de ça. Et il a fallu justement tout le travail de Lacan pour montrer que véritablement la psychanalyse, c'était autre chose que ces interprétations partielles, sommaires. Je crois que de la même façon, il y a un problème pour Lacan. C'est que on a probablement mal vu à quel point il était jusqu'ici repris par le structuralisme, par ce mouvement structuraliste qui apportait énormément de choses, mais qui avait aussi ses limites. Également, comme c'était repris par l'épistémologie française d'après Bachelard, je pense que quelque chose là a freiné le développement de l'œuvre de Lacan. Lacan en a été bien conscient d'ailleurs, et il a cherché à s'en dégager dans les dernières années de sa vie en donnant une orientation du côté des mathèmes. Malheureusement, cette orientation, il n'a pas pu la poursuivre puisqu'il est devenu malade, fatigué et il n'a pas pu pousser cette orientation. On ne peut pas dire non plus que les élèves de Lacan aient réussi à aller bien loin dans ce domaine. Mais enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, je crois qu'il y aura la nécessité de dégager l'œuvre de Lacan de ce qu'elle peut avoir de trop accroché à des épisodes contemporains, qui ne sont pas seulement des phénomènes de mode, mais qui sont aussi des phénomènes culturels, mais qui sont malgré tout des phénomènes qui, quelquefois, gomment, effacent ce qui fait la spécificité de la psychanalyse. Qu'est-ce que c'est que la passe ? Je ne peux que vous répondre en deux mots, sinon il faudrait que vraiment un très long développement. Mais la passe, c'est ce qui désigne le moment où un analysant renverse une certaine position et peut devenir analyste. C'est cela qui est en quelque sorte une sorte de repérage, mais qui risque d'être très mauvais si c'est un simple repérage à un niveau sociologique, si ça veut dire simplement qu'il abandonne le divan pour aller dans le fauteuil. Je veux dire qu'à ce niveau-là, ça ne dit pas grand-chose. Même ça ne dit rien du tout, et même ça peut parler de quelque chose qui est un tour de passe-passe, précisément. La question de la passe est effectivement une affaire beaucoup plus compliquée et qui est repérable théoriquement, au moins d'une certaine façon. Alors si c'est plus que ça, c'est quoi C'est quelque chose... je dirais, c'est plutôt un moment qui permet à l'analysant de laisser tomber quelque chose de sa position proprement subjective, de repérer la dimension fantasmatique qui soutient sa position subjective et qui permet de replacer le problème de lui-même, bien entendu, mais aussi de son analyste, par rapport à cette question du fantasme. Et secondairement, parce que c'est beaucoup moins important, et secondairement, éventuellement, à l'égard des analysants qu'il peut être amené à prendre lui-même. Mais ceci, c'est vraiment pour aller très vite et... Pour vous, la psychanalyse est-elle une science ? Lacan s'est gardé de dire que la psychanalyse était une science. Mais c'est une question qui l'a toujours intéressé et qu'il a toujours essayé de suivre au plus près. Ce qu'il a dit de ce point de vue, ça a été sous forme de question. La psychanalyse est-elle une science ? Ou qu'est-ce que la science si on y inclut la psychanalyse ?
Autrement dit, si nous parlons de la psychanalyse comme une science, on est aussi amené nécessairement à reviser certaines des idées que nous pouvons avoir sur la science. Mais c'est là-dessus, je crois, que quelque chose n'a probablement pas été mis en valeur de façon suffisante concernant le rapport de la psychanalyse à la science. En particulier, je crois que nous sommes restés un peu à l'écart du questionnement tout à fait important que sont faits les logiciens. Et je parle en particulier des logiciens du cercle de Vienne, je parle aussi des logiciens anglo-saxons. Il faut dire qu'en France, on les a ignorés, que Lacan les a ignorés. Or, il y a là toute une série de questions qui doivent interroger la science et qui doivent interroger la psychanalyse. Pourriez-vous préciser quel a été, pour vous personnellement, donc, son apport? Ah, vous m'interrogez là sur ce qu'ont été mes rapports avec Lacan. Moi, j'ai connu Lacan en 48, au moment où j'ai entrepris moi-même une analyse. Et j'ai choisi Lacan comme analyste à une époque où il était très peu connu, mais tout de même très largement aussi mal vu qu'il l'a été par la suite. Pas du tout pour les mêmes raisons, mais il était fort mal vu. J'ai pris Lacan comme analyste à une époque où je ne connaissais bien entendu à peu près rien de l'analyse, mais simplement pour la raison que j'avais vu un certain nombre d'analystes, et puis j'ai eu le sentiment avec lui qu'il entendait quelque chose, qu'il plaçait le problème que j'apportais sous un angle un peu nouveau pour moi, qui m'interrogeait, et j'ai pensé que l'analyse avec lui était plus possible qu'avec les quelques autres analystes que j'avais vus et dont je dois dire qu'il m'avait absolument découragé par leur aspect conventionnel, triste et dont il me semblait que si la psychanalyse c'était ça, ça valait pas la peine d'en faire une pour soi-même. Mais à l'époque, ça n'était pas courant, ça n'était pas banal d'entreprendre une psychanalyse. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix à une époque où elle n'était pas très à la mode encore? C'est pas tout à fait un choix. Si j'ai entrepris une analyse à cette époque-là, c'était bien parce que j'y étais forcé par mes propres impasses, et notamment par le fait que je n'arrivais pas à me tirer d'une maladie qui était tout de même très grave. Et j'attendais donc de l'analyse une approche tout à fait différente des problèmes que je pouvais avoir. J'ai donc entrepris cette analyse à cette époque-là, dans un but tout autant thérapeutique que dans un but de formation, bien que cela se conjuguait aussi avec cela. J'étais en cours d'études de psychiatrie, j'hésitais encore entre la médecine et la psychiatrie. Il y avait dans l'exercice de la profession médicale et de la profession psychiatrique quelque chose qui me paraissait tout à fait lourd, tout à fait pesant, tout à fait inadapté à ce que je pouvais attendre pour mes projets, pour mon avenir, pour ma carrière. C'était donc quelque chose, c'est donc un aspect double qui m'a amené à faire une analyse, et bien entendu, chacun des éléments se répercutant sur l'autre. Et le choix alors de devenir psychanalyste. Le choix de devenir psychanalyste s'est fait bien entendu peu à peu. Mais il y a là peut-être pour moi l'occasion de répondre à une certaine question que l'on pose d'une façon trop abrupte.
à savoir le moment où on décide de devenir psychanalyste, le moment où on s'autorise à devenir psychanalyste, c'est devenu une sorte de panacée, de question bateau, avec notamment cette fameuse question de la part sur laquelle j'ai travaillé beaucoup plus qu'un autre. Je crois que le problème est quand même beaucoup plus difficile, parce que devenir psychanalyste, eh bien, c'est une chose qu'on ne cesse de faire. On ne devient pas un beau jour psychanalyste, ou même on ne devient pas psychanalyste dans le courant de quelques semaines ou de quelques mois. On fait une démarche qui va dans un certain sens, dans le sens de l'analyse, et puis après on s'aperçoit que c'est pas du tout suffisant. Et on recommence encore. Alors je crois que il y a eu là d'ailleurs toute une façon de voir le problème qui a énormément pesé sur les dernières années de l'école freudienne surtout. Une certaine façon de limiter, de voir d'une façon ponctuelle la question très difficile qui arrive pour quelqu'un concernant le fait de devenir analyste. De devenir analyste étant entendu que justement, il n'y a pas d'être du psychanalyste et qu'on n'arrive pas un beau jour comme ça, je suis psychanalyste. Tout ce qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est plutôt que on est amené constamment à s'apercevoir à quel moment on ne l'a pas été, à quel moment on est passé à côté de quelque chose. Et je dirais, on est amené du même coup à rectifier le tir et à avancer. Les dernières années ont été marquées, pour ce qui concerne la psychanalyse en France, par un éclatement des écoles analytiques, notamment lacanienne, par une floraison de nouvelles écoles, souvent éphémères. Qu'est-ce que vous auriez à dire de ce phénomène ? Il y a un éclatement il y a eu en effet la constitution d'un grand nombre d'institutions psychanalytiques après la dissolution de l'école freudienne. Mais je voudrais faire observer qu'il y a eu tout autant une dispersion des sociétés psychanalytiques se réclamant de Melanie Klein. Il y a également une dispersion énorme de groupes qui se réclament de Freud. Mais je crois que le plus important qui serait à dire, c'est que même dans les sociétés qui semblent comme ça uniques, groupées, il y a des groupes tout à fait différents qui se constituent. Autrement dit, ce qui est, peut-on dire, normal, c'est que les sociétés psychanalytiques éclatent. Ce n'est pas du tout leur unité qui est normale. Leur unité est tout à fait artificielle. En particulier, l'unité de l'école freudienne était une unité tout à fait artificielle, avec des gens qui, manifestement, n'étaient pas lacaniens, avec des gens ayant des orientations particulières, tout à fait diverses, mais qui finalement avaient cessé de communiquer entre eux, avaient cessé d'avoir de véritables échanges du point de vue psychanalytique, du point de vue scientifique. Alors, je dois dire que cette dispersion à l'heure actuelle des groupes lacaniens ne me paraît pas du tout une mauvaise chose, mais plutôt une bonne chose, dans la mesure où nous allons nous retrouver dans des groupes beaucoup plus restreints et avec des gens avec qui nous travaillerons d'une façon beaucoup plus serrée, beaucoup plus rigoureuse. Je trouve ça véritablement préférable. Est-ce qu'il y a une raison à cela ? Oui, très certainement. La raison, c'est que les diverses formes de la méconnaissance, qui sont le problème même qu'aborde la psychanalyse, ces différentes formes de méconnaissance n'ont aucune raison de ne pas se reproduire parmi les psychanalystes eux-mêmes. Ça n'a aucune raison de ne pas se reproduire parce que les psychanalystes ont beaucoup trop tendance
justement à considérer qu'après leur analyse, après un certain travail, après l'acquisition d'un certain savoir, eh bien, ils sont là organisés dans ce que Lacan appelait leur suffisance. Et ils s'organisent avec leur suffisance, c'est-à-dire en fait avec toutes leurs insuffisances, c'est-à-dire surtout avec un système bien construit sur lequel ils n'ont pas du tout envie de revenir. C'est quelque chose qui est tout à fait à l'inverse de la démarche proprement psychanalytique. Mais c'est ainsi. Et il ne peut pas être question d'éviter ça. Quelles sont ces forces? Vous pourriez préciser à quoi vous faites allusion quand vous parlez des forces qui se sont opposées à Freud et qui n'ont pas disparu, qui se manifestent encore par rapport à la psychanalyse actuellement, par rapport à Lacan. Il faut absolument se retirer de l'idée que ce sont des forces de résistance qui se manifestent encore, parce qu'elles se manifesteront toujours. Il est tout à fait exclu de penser que la psychanalyse conquérante va réussir à, je ne sais quoi d'ailleurs, à évangéliser le monde, enfin quelque chose de cet ordre-là. Les forces qui empêchent le véritable accès de l'analyse, ce sont précisément les mêmes forces qui font que chacun, confronté à un certain nombre de problèmes, notamment celui de la différence des sexes, celui de la castration, à ces questions qui sont des questions impossibles, que chacun cherche à trouver des accommodements, et disons certains modes de vie, qui sont toutes les formes possibles de la névrose. Étant entendu que dans le mot de névrose, j'entends la normalité comme étant une forme particulière de névrose. Peut-être la plus difficile à aborder. Alors ces forces-là, les forces de méconnaissance qui ont été, par exemple, répertorié par Freud sous les noms de la dénégation, de la forclusion, du désaveu. Ces diverses formes de la méconnaissance entraînent toute une organisation psychique qui fait qu'on aborde les problèmes d'une certaine façon. Ça présente des avantages, en même temps que ça présente des inconvénients. Ça présente des inconvénients, bien entendu, parce qu'on reste dans une certaine ligne de pensée, dans une certaine façon de voir qui est très limitée. Puis c'est ennuyeux parce que ça débouche à l'occasion sur des formes très douloureuses de névrose ou de psychose, de perversion. Mais quand je dis que ce sont diverses formes de méconnaissance, je veux dire que Ce sont des formes qui ont aussi leurs avantages, parce que ça laisse l'esprit tranquille avec un certain mode d'organisation, une certaine structure, comme disent les analystes, c'est-à-dire un certain mode de rapport à l'autre, un certain mode de rapport à la vie, aux objets, une certaine façon de se considérer soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'une analyse soit si longue et quand est-ce que vous jugez qu'une analyse se termine? Je crois qu'on ne peut pas dire. Vous voyez ça. On ne peut pas dire sur quels critères on juge qu'une analyse est terminée. Il y a bien entendu des analystes qui l'ont dit, qui en ont parlé, qui ont inventé toutes sortes de critères possibles, mais je pense que ce n'est pas recevable, et pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, pour les mêmes raisons qui font qu'on ne peut pas dire qu'il y a des indications de la psychanalyse au sens médical. Les repères ne peuvent pas être les mêmes. Ce ne sont pas des repères que l'on puisse constituer
à partir d'éléments théoriques ou à partir d'un savoir ou à partir de la position personnelle que pourrait avoir l'analyste. La fin d'analyse est quelque chose qui ne peut être repéré de façon utile que à partir de la position de l'analysant, mais plus encore à partir de ce qui se constitue dans la relation entre l'analysant et l'analyste. En quelque sorte, c'est quelque chose qui peut s'élaborer entre eux et à partir du mode particulier de relation qui s'est établi entre eux. Donc, ça répond aussi à quelque peu à votre autre question, pourquoi les analyses sont-elles devenues si longues ? C'est bien entendu pour une raison double, qui tient d'une part à l'analyste et d'autre part à l'analysant, et bien évidemment à une augmentation de l'exigence que l'un et l'autre ont et sont en droit d'avoir à l'égard de l'analyse. Bien entendu, quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour justifier certaines analyses qui, sous prétexte de vouloir être plus complète, plus parfaite, plus je ne sais quoi, et au nom de je ne sais quelle éthique, des analyses qui n'en finissent pas et qui, en réalité, ne progressent plus. C'est un des dangers de la psychanalyse qu'en quelque sorte, une sorte de ronron s'établisse. C'est une des raisons pour lesquelles presque tous les analystes ont abandonné maintenant les séances interminables et et une sorte de répétition dans laquelle l'analysant finalement se complaît et l'analyste aussi. Mais est-ce qu'il vous arrive de considérer qu'une analyse est réussie ou au contraire est un échec, concrètement parlant, et dans quelle situation ? Ah, concrètement parlant, il est tout à fait évident qu'on peut dire de certaines analyses qu'elles sont des échecs. Qu'elles sont des échecs parce qu'elles ont tourné court ou parce qu'elles se sont mal terminées. C'est tout à fait certain. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est justement de dire quelque chose concernant les analyses réussies. Le fait qu'un analysant s'en satisfasse tout à fait n'est même pas en soi un critère, parce que s'il doit devenir une plaie pour son entourage, je ne vois pas du tout pourquoi, s'il en arrive à se rendre détestable pour tout le monde, je ne vois pas du tout pourquoi on dirait que c'est une réussite de l'analyse. Non, les critères du succès d'une analyse doivent être pris beaucoup plus sur ce qui fonde la méthode même de l'analyse, c'est-à-dire sur quelque chose où le repérage même de tout ce qui concerne le désir a pu se faire d'une façon suffisamment avancée et suffisamment poussée. Mais c'est la notion même d'échec qui est à mettre en cause là. Puisqu'après tout, ce que la psychanalyse nous apprend, c'est que tout ce qui est de l'ordre de l'échec, le lapsus, et le rêve dans la mesure où c'est quelque chose qui échappe à la conscience, les actes manqués, tout ce qui est en quelque sorte les mini-échecs de la vie quotidienne, tout cela, finalement, est tout à fait productif du point de vue de l'analyse, en sens que ça déplace le problème et ça permet de voir d'autres aspects. Alors, je dirais que si l'analyse réussit, c'est surtout dans la mesure où elle permet à chacun d'avoir un meilleur rapport à ce qui lui arrive comme échec, comme difficulté. Un meilleur rapport, c'est-à-dire, vous pourriez aller plus loin dans la définition de ce rapport que l'analyse permet peu à peu de... Oh, ce que je pourrais vous dire, par exemple, ça pourrait être un certain rapport que quelqu'un peut avoir à son symptôme. Disons, pour prendre un exemple connu, Freud
avait des phobies. Il avait la phobie du chemin de fer, il en a parlé. Il a eu la phobie d'aller à Rome. Il a eu la phobie d'aller à Athènes, au point que quand il s'est trouvé sur l'Acropole, il a eu quelque chose comme un petit phénomène de dépersonnalisation. On peut donc tout à fait dire que Freud avait des manifestations phobiques. Mais ce qui est quand même tout à fait intéressant, c'est de voir que pour Freud, ça s'est inscrit dans une perspective générale qui lui a permis, en quelque sorte, de toujours repérer du côté de ses phobies quelque chose de tout à fait essentiel pour lui-même. C'est-à-dire qu'il commençait par avoir cette sorte de position de recul, d'hésitation, cette façon de contourner le problème et finalement de savoir même qu'au moment où on y accède, il ne faut pas croire qu'on est arrivé au bout de l'affaire. Alors, je dirais qu'il y a là, chez Freud, peut-on dire quelque chose qui n'a pas été une guérison de sa phobie, mais qui montre bien qu'il a pu aborder le problème tout à fait autrement. Eh bien, il y a, avec les analysants, toutes sortes de phénomènes non identiques, bien entendu, mais tout de même assez voisins pour qu'on puisse considérer que c'est cela que leur a apporté l'analyse. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que l'analyse ne vise pas à faire disparaître des symptômes, mais à changer alors le rapport aux symptômes? Ce serait plutôt quelque chose de cet ordre-là. Mais on pourrait dire pour la disparition du symptôme, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'atténuation considérable du symptôme, et justement, non pas véritablement une maîtrise, qui ne voudrait rien dire, mais bien plutôt un rapport tout à fait différent à ce symptôme. Qu'est-ce qu'un bon analyste? Ce n'est pas sûr que la question mérite d'être posée comme ça. Mais enfin, pourquoi pas? On peut bien le dire, puisque de toute évidence, il y a des mauvais analystes. Alors, par comparaison, au moins, on peut dire qu'il y en a qui sont bons. En tout cas, meilleurs. Mais nous retombons toujours sur la même question, c'est-à-dire la question de ce que serait un être de l'analyste et un être qui serait bon, qui serait parfait. Alors, il y a un certain nombre d'imbécilités qui ont été dites et écrites à ce sujet. L'un a dit « l'analyste doit être bon ». Il y en a un autre qui a dit « l'analyste doit être un bon analyste » en réponse à la première. Ce sont des choses tout à fait ridicules et qui, en réalité, tendent toutes, justement, à entrer dans ce que Lacan dénonce concernant la suffisance du psychanalyste. Il est bien certain que si le psychanalyste est bon, il doit savoir d'abord son insuffisance comme analyste. Et c'est donc dans une toute autre perspective que le problème se pose. Là où je crois que nous devons saisir le problème pour montrer qu'il est différent, on peut dire, n'est-ce pas, qu'un menuisier est bon s'il fait bien son métier, qu'un médecin est bon s'il sait utiliser les ressources de l'art. Pour nous, le problème est tout à fait différent. Parce que, pour l'analyste, il sait bien, du moins il faut l'espérer, il sait bien, et en tout cas, qu'il le sache ou non, il ne peut pas éviter d'être dépendant de l'idée qu'il se fait de son patient, de l'idée qu'il peut se faire de l'évolution de la cure. Et cette idée-là, qui en quelque sorte concerne, et le concerne personnellement, dans son désir, dans le désir qu'il peut avoir concernant la poursuite de la cure, ce désir-là, c'est ça qui le fera agir de telle façon, répondre de telle façon, et qui lui fera éventuellement commettre des erreurs tout à fait importantes. Mais, en quelque sorte, l'analyste doit être non seulement possédant un certain savoir-faire, l'analyste doit surtout être attentif à
ce qui peut surgir chez lui et qui peut éventuellement lui faire faire une erreur et être capable de rectifier les choses et d'envisager le problème de son analysant d'une autre façon, d'une façon nouvelle. Est-ce qu'il y aurait des conditions requises pour la pratique de l'analyse? Cette question a elle-même été l'objet de très nombreux débats et souvent de dissensions entre les différents analystes. Oui, il y a des dissensions concernant la formation des analystes, mais dont il ne faudrait pas du tout surestimer l'importance, notamment dans les scissions. Je sais que c'est ce qu'on dit habituellement. Mais en fait, les analystes se sont révélés extrêmement soucieux d'acquérir une respectabilité, une honorabilité auprès du corps social. Et ils ont fait des instituts de formation tout à fait sérieux, avec des études très, très calibrées, très organisées, pour montrer qu'on faisait aussi bien que dans les facultés de médecine ou dans les facultés des diverses disciplines. Mais en fait, ça ne marche pas du tout de cette façon-là. Et quand on interroge les analystes sur ce qui est nécessaire pour la formation d'un analyste, la seule chose qu'ils puissent répondre, c'est que si quelque chose se passe, tout se passe dans l'analyse didactique du candidat. Si quelque chose se passe, ça peut être au cours des contrôles. Mais quoi qu'il en soit, il n'est, à mon avis, absolument pas possible de considérer que c'est dans une institution psychanalytique qu'on se forme. Une institution psychanalytique peut, au mieux, rendre les choses possibles, d'une part, pour ce qui concerne l'acquisition du savoir, ce qui est tout à fait nécessaire, mais d'autre part aussi, pour rendre possible que l'analyste puisse lui-même se confronter à tous les moments de sa formation et aussi après dans sa pratique, puisse se confronter avec des collègues pour voir où il en est. Mais ce n'est certainement pas du côté d'une institution qu'on peut en quoi que ce soit espérer que la formation du psychanalyste se fasse. C'est un des points sur lesquels Lacan est intervenu avec la plus grande vigueur, parce qu'il est le premier, et à mon avis jusqu'ici le seul, à avoir pris en compte cette difficulté propre concernant la formation des analystes. Et c'est pourquoi il a instauré des procédures spéciales qui ont pour visée, notamment la procédure de la PAF, qui a pour visée de dérouter l'aspect contraignant de l'institution. Ce qui fait tout à fait contradiction, c'est ceci. Quand les premiers analystes voulaient pratiquer l'analyse, ils se sont dit, bien évidemment, mais je voudrais bien savoir ce que c'est. Alors, quoi de mieux à faire que d'en faire une? Et puis, ils se sont dit, mais je vais essayer de voir si dans ma pratique, je fais quelque chose qui ressemble à l'analyse ou pas. Et ils ont fait quelque chose qui est de l'ordre du contrôle. Mais à partir du moment où l'institution existe, ce qui les avait animés, qui est quelque chose d'un désir véritable de se confronter à l'analyse, a été remplacé par ce que l'institution a dit. L'institution a dit, il faut faire une analyse. Il faut faire des contrôles. Autrement dit, c'est là que l'on voit l'impact même de l'institution qui aboutit finalement à supprimer la question du désir pour la remplacer par des obligations. Autrement dit, à créer un devoir-être là où il y a du désir. C'est tout à fait fâcheux, bien entendu, alors que la psychanalyse a pour but de faire apparaître le désir. Mais on voit par là que l'institution a toujours été auprès de la psychanalyse, l'institution a constitué toujours un agent du refoulement.
C'est là un fait tout à fait paradoxal. Et ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que finalement, parmi tous les travaux psychanalytiques, on en aboutit à ceci, que jamais on ne parle, ou vraiment si peu, ni de l'analyse didactique, ni des contrôles. Tout à fait étonnant, comme la littérature psychanalytique est quasiment muette sur ce sujet, ou ne produit que de relatives fadaises. On parle souvent d'institutionnalisation actuellement de la psychanalyse. Est-ce qu'il vous semble que la profession de psychanalyste doit faire l'objet d'une réglementation professionnelle ou... Nous devons principalement, je dirais exclusivement à Lacan, de n'avoir pas de statut de psychanalyste en France, puisqu'il y en a partout à l'étranger. Et pour ma part, je considère comme absolument évident que nous devons continuer dans cette voie et refuser absolument toute institutionnalisation qui aggraverait encore toute institutionnalisation en rapport avec l'État, ce qui ne pourrait qu'aggraver encore les inconvénients propres aux instituts et aux sociétés psychanalytiques qui ont les effets de refoulement que je disais tout à l'heure. Ça me paraît tout à fait important de situer ça comme cela, mais certainement d'une façon encore beaucoup plus précise, parce que la psychanalyse a quelque chose à dire là-dessus. C'est que nous avons tellement l'habitude de parler de la loi et du rapport des gens à la loi. La psychanalyse dit au moins clairement que la loi, ce n'est pas l'État. C'est tout à fait ailleurs que se situe le rapport du sujet à la loi, et notamment dans ce rapport tout à fait particulier qu'il peut acquérir dans son enfance et dans son rapport à la famille, dans son rapport au père. Alors, si, et c'est-à-dire que c'est toujours une relation problématique que le sujet peut avoir avec la loi, que si, par exemple, un père s'identifie à la loi de l'État, généralement ça se passe très mal. Ce que la psychanalyse nous apprend sur ce rapport de... Alors, cette tendance que peuvent avoir déjà beaucoup trop les psychanalystes à identifier le rapport du sujet à la loi dans son rapport avec l'État, ça ne pourrait bien entendu qu'être aggravé avec une mainmise d'instances d'un type ou d'un autre, universitaire par exemple, sur la psychanalyse. Il faut absolument que cette dimension reste dégagée. Et notamment pour ce fait que il ne s'agit pas, au cours d'une analyse, ce n'est pas un début d'analyse, d'arriver à obtenir l'adaptation du sujet à la société. Ça a été dit par la Société psychanalytique internationale. Ça a été dit que, finalement, le sujet qui avait fait une bonne analyse était le sujet qui avait adopté l'American Way of Life. Bon, Lacan a beaucoup rigolé quand il a entendu ça. Mais on l'a trop pris sur un sens purement politique et en croyant qu'il voulait dire par là qu'avec une autre société, ça irait bien. Bien entendu, non. Ça n'ira jamais. Il y aura toujours quelque chose dans la société qu'un sujet peut ne pas accepter. J'ai presque envie de dire doit ne pas accepter. Vous venez de dire qu'à l'instant que quand un enfant identifie le père et la loi du père avec l'État, ça se passe très mal. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui se passe, même si c'est sur un autre registre que l'on passe, dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il advient ? Eh bien, vous me demandiez quelque chose de l'ordre d'un exemple de concret. Eh bien,
Je dirais par exemple Schreiber. Schreiber, ayant un père, le fameux président Schreiber, ayant un père qui était une sorte de fantastique, formidable éducateur, rigide, très organisé, terrible, ayant d'ailleurs un succès très grand en Allemagne. Ça n'a pas été fameux pour son fils. De la même façon, pour Schreiber lui-même, c'est quand même au moment où il a été nommé à un poste tout à fait éminent dans la justice qu'il s'est mis à délirer. Je dis ça pour donner des exemples concrets. Mais, bien entendu, ce que je veux indiquer par là, c'est qu'à partir du moment où un père se réfugie derrière la loi de l'État et abandonne de ce fait ce qui est sa part personnelle de responsabilité, d'originalité, son mode propre d'insertion dans la vie sociale, comme dans la vie familiale bien sûr, à partir du moment où un père se révèle comme ça et apparaît trop comme ça, c'est véritablement un abandon concernant une fonction essentielle qui doit être accomplie à l'égard de l'enfant. Je pourrais ajouter d'ailleurs que ce serait un danger, que c'est un danger déjà, si les psychanalystes, à leur tour, cèdent à ce qu'il aurait demandé, à une sorte de pression sociale qui tend à faire d'eux des conseillers, des éducateurs, des gens que l'on vient consulter à tous les moments où ça va mal pour un enfant, et où, en quelque sorte, le psychanalyste viendrait se substituer à la prétendue défaillance des parents. Mais s'il venait se substituer de cette façon-là, nous pouvons être sûrs que les psychanalystes fabriqueraient beaucoup plus de névroses et de psychoses qu'ils ne sont capables d'en guérir. Les sociologues sont parfois tentés de dire que la psychanalyse est le substitut, comme vous l'avez dit. Parfois le substitut à une faillite, à une faillite du politique, à une faillite du religieux, à une faillite de l'éducation. Est-ce que la psychanalyse est le substitut moderne de ces formes sociales que sont les idéologies, que sont les religions? Si la psychanalyse est-elle autre chose? Si la psychanalyse doit devenir un tel substitut, il est absolument sûr qu'elle aura échoué et s'inscrira comme une idéologie de plus, comme un système d'organisation de plus, mais sa spécificité sera absolument méconnue. Cela dit, je ne fais pas pour autant la critique de ce qu'en disent les sociologues, parce qu'il est de fait que les gens tendent à utiliser, à mettre la psychanalyse à cette place, et que malheureusement, un très grand nombre de psychanalystes s'y prêtent. Ils s'y prêtent par quoi ? Les psychanalystes, je veux dire, qui s'y prêtent Ils s'y prêtent de toutes les façons possibles. D'une part, en accueillant quelquefois trop complaisamment un certain nombre de demandes d'analyse, là où il y aurait lieu de secouer les gens et de leur dire « Écoutez, c'est quand même à vous de vous occuper de vos oeufs, non ?» Je pense particulièrement en ce qui concerne la psychanalyse d'enfants.
C'est à vous de vous occuper de vos enfants et puis commencez par faire ce que vous avez à faire. Il s'y prête aussi en utilisant ou en se laissant utiliser par les médias pour expliquer comment, par tel et tel moyen, on arrivera à supprimer la névrose, à supprimer la souffrance et à faire des enfants élevés d'une façon merveilleuse. On assistait depuis une quinzaine d'années à une multiplication des collections de livres de psychanalystes ou consacrés à la psychanalyse. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène culturel et littéraire? Oh, ça rejoint un peu ce que nous pouvions dire tout à l'heure concernant Lacan. Il y a eu tout un phénomène de mode et la psychanalyse est une denrée qui se vend bien, qui se vend d'autant mieux depuis que les livres marxistes se vendent moins bien. Je dirais qu'il y a là tout un problème qui me paraît relativement peu intéressant, qui est un problème d'économie de marché et où on peut dire qu'un certain nombre de gens cherchent à se placer d'une façon tout à fait abusive, notamment concernant la psychanalyse. Parce qu'une telle diffusion est, dans son principe même, contraire à ce que, précisément, la psychanalyse nous apprend. C'est-à-dire que ce n'est pas dans les livres qu'on touche au ressort même de ce qui peut nous intéresser concernant le désir, concernant son organisation. Ce n'est pas en ayant lu quelques bons livres, comme autant de Bible, ce n'est pas comme ça qu'on va devenir saint, S-A-I-N ou avec un T, comme vous voulez. En quelque sorte, si la psychanalyse doit constituer un discours avec de nouveaux idéaux et par conséquent de nouvelles contraintes, elle sera elle-même un agent du refoulement. Et elle fera donc rigoureusement le contraire de ce qui est sa destinée. Souvent, le sens commun a tendance à considérer que la psychanalyse est un luxe. Qu'est-ce que vous en pensez? Un luxe dans tous les sens du mot, à savoir qu'elle est chère et à savoir que peut-être elle n'est pas indispensable ou qu'elle ne soigne pas des gens qui sont vraiment souffrant ou vraiment malade. Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour la plupart des gens qui font une analyse, ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas du luxe et je dois dire qu'on pourrait même évaluer les choses presque d'un point de vue économique. La quantité de gens qui ne sont pas à l'asile, la quantité de gens qui ne prennent pas de médicaments, qui ne font plus de maladies, qui ne vont pas voir de médecin grâce à la psychanalyse, est tout à fait considérable. Et je crois que, de ce point de vue-là, nous n'avons pas du tout à nous considérer plus ou moins comme étant des parasites sociaux. La question qui se pose plus, bien entendu, c'est la question de la façon dont la psychanalyse peut être financée. Et notamment le problème qui relève de la question de l'argent en psychanalyse. Alors, je dois dire que pour ça, malgré tout, nous pouvons considérer en France que nous sommes dans une situation tout à fait convenable et même tout à fait privilégiée, parce que, au moins pour un temps et au moins partiellement, la psychanalyse est abordable, on pourrait presque dire, par les gens les plus indigents. Ou en tout cas, dans une très large mesure, la psychanalyse leur est accessible. Les vraies conditions d'obstacle sont tout à fait autres. Elles tiennent beaucoup plus à des conditions géographiques et aussi, bien entendu, à des considérations d'ordre culturel. C'est-à-dire qu'il y a, ce qui est tout à fait indiscutable, un certain nombre de milieux
qui ne supportent pas, qui ne supporteraient pas du tout la psychanalyse parmi eux. Beaucoup moins qu'on le croit. Mais si on veut parler de la question de l'argent, ou si on veut parler de la résistance d'un milieu culturel, je crois qu'il faudrait au moins autant parler des gens qui sont extrêmement riches. Les gens qui sont extrêmement riches, qu'est-ce que vous voulez que ça leur fasse pour eux que leur psychanalyste leur demande même très cher? Ils s'en moquent éperdument. Et ce sont des gens qui sont, eux, finalement, encore beaucoup plus aliénés par cette question de l'argent et pour qui, très souvent, une psychanalyse est tout à fait impossible. Tout à fait impossible, notamment parce qu'il est évident que l'ensemble de leur milieu n'a absolument pas les pieds sur terre et est incapable de prendre en considération quoi que ce soit, puisque tout peut être effacé avec de l'argent. Est-ce qu'il vous semble que le paiement est un acte indispensable ou pas ? Prétendre, légiférer et décider si c'est une psychanalyse ou pas en fonction du paiement est une idée complètement absurde. Parce que je poserai justement la question pour quelqu'un de tout à fait riche et qui paie son analyse, est-ce que véritablement ça a un effet thérapeutique ? C'est absolument douteux. C'est même quelquefois tout à fait impossible. Il est tout à fait certain qu'un travail d'ordre analytique se fait pour un certain nombre de personnes hors de tout repérage de paiement. Par contre, ce qui importe d'une façon tout à fait certaine, c'est que l'analysant qui fait un travail s'engage effectivement dans son analyse s'il attend que les bonnes paroles et les bonnes solutions lui tombent toutes rôties, il n'y aura jamais d'analyse qui se fera. Ce qu'on peut dire aussi pour ce qui concerne l'argent, c'est que, en définitive, quand une analyse qui a commencé, par exemple, avec un remboursement partiel ou total par la Sécurité sociale, arrive à un certain moment, il devient apparent, il devient évident qu'elle ne peut pas se continuer véritablement sans que la participation du sujet devienne effective. Mais ceci est donc un autre problème. Alors, il y a peut-être lieu aussi que je reprenne votre question pour ce qui concerne les psychoses et les cas les plus graves. Il faut bien dire que sur ce point et dans l'ensemble, la psychanalyse a relativement très peu de prise sur les psychoses, mais ce qui tient à de multiples raisons, notamment au fait que on ne voit pas bien ce qu'on pourrait faire pour certains malades chronicisés depuis très longtemps et pour qui il peut arriver, après tout, qu'on soit arrivé à un stade trop éloigné. D'autre part, comme je vous le disais, la perspective même d'une guérison comme étant un impératif absolu n'est pas du tout une perspective acceptable d'un point de vue analytique. Il est tout à fait évident qu'on voit un certain nombre de gens qui meurent, mais qui meurent pourquoi ? C'est parce que personne n'a jamais voulu qu'ils vivent, que parce qu'ils ne sont dans le désir de personne, et en tout cas pas dans le désir de la société, qui n'a qu'un désir, c'est de se débarrasser d'eux. Elle le fait généralement sous une forme discrète, ou plutôt hypocrite, en les mettant dans des asiles, en les enfermant, ou en les mettant dans des prisons. Mais finalement, il n'y a absolument aucun doute que la société rejette et tue un certain nombre de ses membres, au même titre que dans une société animale, on tue un certain nombre des individus qui sont réputés les plus faibles ou les moins adaptés au groupe. Il n'y a aucune raison pour que le psychanalyste soit rendu responsable de ces sortes de meurtres ou de mises à l'écart qui sont faits par la société. Le psychanalyste peut simplement pouvoir en dire peut-être un petit peu plus qu'un certain nombre de,
de considération qui, un peu bêtasse, sous prétexte d'être bienveillante, à ce sujet. Néanmoins, il est tout à fait sûr qu'un certain nombre de psychoses, vraiment, j'en ai personnellement et j'en connais de très nombreux exemples, il y a un certain nombre de psychoses qui ont pu, grâce à l'analyse, retrouver une vie qu'on peut considérer comme tout à fait normale, avec une vie professionnelle, avec une vie affective, sexuelle, familiale, et avec des rapports humains quelquefois tout à fait satisfaisants. Un beaucoup plus grand nombre de cas, avec des résultats beaucoup moindres, mais peut-être une façon de vivre malgré tout à peu près supportable, en tout cas beaucoup plus supportable que celle qui était offerte traditionnellement par l'asile psychiatrique. Est-ce qu'il y a des cas où la psychanalyse est impuissante et où la psychiatrie, par contre, est efficace? Ah, mais alors là, je ne vais certainement pas présenter la psychanalyse comme une panacée. Je suis tout prêt à accorder que, dans de nombreux cas, une approche tout à fait autre, qui peut être médicale, qui peut être psychiatrique, mais je dois dire que je suis même tout prêt à admettre que d'autres médecines, du type de médecine exotique ou de médecine parallèle, sont tout à fait aptes à avoir une efficacité. Je ne sais pas comment c'est efficace. Et ça, c'est leur problème, je dirais. C'est le problème qui rend tout à fait limité ce qu'on peut attendre de telles médecines, c'est qu'elles ne sont pas capables de théoriser ce qu'elles font. Et par conséquent, ça reste... très souvent quelque chose qu'on peut considérer comme l'effet du hasard ou l'effet d'un gourou, d'un chaman, d'un thérapeute génial qui réussit à avoir un succès sans que lui-même soit tout à fait capable de le faire. Mais je dois dire, tout ça, ça existe. Je dois dire que d'une certaine façon, l'action d'un certain nombre de médicaments, d'un certain nombre de neuroleptiques, est absolument pas en aucune façon une explication de ce qui peut être la guérison dans un certain nombre de cas, de même par les électrochocs ou des choses comme ça. C'est un fait que ça guérit des gens. Enfin, bon. Quel vous paraît être le futur de l'analyse? Quelque chose me paraît tout à fait important. C'est l'extrême fragilité de la psychanalyse, qui est une discipline encore tout à fait jeune. Et pour ma part, je considère qu'il y a très peu d'analystes qui soient à l'heure actuelle capables de soutenir la pertinence du point de vue psychanalytique. Je crois donc à son extrême fragilité. Mais cela n'est pas tellement lié à ce qu'on pourrait appeler un contexte culturel qui aurait ses résistances. Ce sont des explications un peu trop commodes. La psychanalyse est née, sans aucun doute, à une certaine époque repérable du monde industriel et, moi, je serais plutôt porté à dire, d'une société qui a poussé au maximum un certain type d'éthique, qui serait une éthique de la satisfaction des besoins. Si la psychanalyse est née à cette époque, de la fin du 19e, du début du 20e, c'est parce que cette éthique a montré ses limites. Et elle est née à partir de là. C'est donc certainement un fait historique. Néanmoins, je pense qu'elle ne peut pas être considérée comme, en quelque sorte, un certain mode, un certain repère situable dans l'histoire des idées. Si la psychanalyse doit être quelque chose, c'est tout à fait différent. Mais pour vous donner une image de ce que je considère comme étant la fragilité de notre discipline, c'est par exemple ce qu'on pourrait dire concernant Hippocrate. Il y a Hippocrate a travaillé, il s'est développé à une époque historique bien particulière, qui est celle de l'Antiquité grecque. Bien entendu, on ne peut pas isoler cette naissance de la médecine
de ce contexte historique. Néanmoins, la médecine s'est développée d'une façon tout à fait indépendante de ce milieu-là et peut tout à fait être appliquée en dehors des repères idéologiques qui sont de cette époque. Mais on voit bien quelle est la fragilité de la médecine. Après Hippocrate, Galien, Avicenne, un certain nombre de grandes personnalités, il n'empêche que la médecine n'a véritablement pris son essor et est devenue scientifique simplement depuis quelques siècles, finalement assez peu. Et rien ne nous dit que la psychanalyse n'est pas vouée à avoir les plus grandes difficultés avant d'apparaître dans toute son importance et dans toute sa portée. Est-ce que vous pourriez me dire quand et comment vous avez rencontré Clavreul? Clavreul, j'ai rencontré la première fois à Vincennes, à l'université de Vincennes. C'est là où il faisait en quelque sorte un séminaire, ou en tout cas il avait la charge d'un enseignement en psychanalyse, et c'est là que je l'ai rencontré la première fois, et c'est là que je pense que, sur la façon dont il enseignait, entre guillemets, que c'est noué, c'est sur ce style d'enseignement que c'est noué un transfert. Je pense que c'est... J'avais jamais vu ça auparavant. C'est-à-dire que j'avais connu des professeurs classiques, orthodoxes, j'avais connu des professeurs qui voulaient subvertir l'enseignement traditionnel, mais j'avais jamais connu quelqu'un qui enseigne de cette façon et une matière aussi inenseignable qu'est la psychanalyse. Et j'y suis pas allé très longtemps, mais ça a été un choc très, très profond. Et je me suis adressé à lui pour faire une analyse. Et en réalité, il ne m'a pas tout de suite pris en analyse, puisqu'il m'a même donné l'adresse de quelqu'un d'autre que je suis allé voir pendant des années. Et puis c'est dans un deuxième temps que je suis revenu, parce que je n'avais pas finalement accepté qu'il ne m'ait pas lui-même pris en analyse ou pris dans un travail analytique. Et je suis retourné le voir quelques 7 ou 8 ans après avoir fait une tranche d'analyse quand même. Et c'est à ce moment-là que le travail analytique a commencé avec lui et s'est poursuivi pendant à peu près 25 ans, sans discontinuité. Et sa manière d'enseigner, qu'est-ce qu'il avait de... Je pense qu'il avait une façon de dire très peu et de transmettre énormément. Et puis surtout, on sentait qu'il était, porteur de quelque chose qui était ni de la politique, ni du savoir traditionnel, ni de la médecine, et que c'était, pour moi, absolument nouveau, et en même temps... ça exerçait une séduction irrésistible. J'étais étudiant en médecine et j'étais en difficulté dans mes études de médecine, non pas du tout parce que j'étais en difficulté scolaire, mais j'étais en difficulté de trouver mon désir dans ce cadre des études de médecine. Et quand il a commencé à parler du discours du maître, du discours universitaire, et qu'il a donné des exemples de ce que ça pouvait
de ce que ça pouvait être. Je me suis vraiment retrouvé dans un discours de vérité et dans un discours... Et en même temps, ce n'était pas quelqu'un qui assénait comme ça des dogmes, qui assénait des vérités premières. Il mettait toujours une sorte de bémol à tout ce qu'il disait. On avait l'impression d'être dans un système ouvert, dans un système, je dirais, où le savoir lui-même était mis en question. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Et je dois dire que ça m'a fortement influencé. Et je suis vraiment resté... Je pense que j'ai pas pu, comment dirais-je, échapper à cette rencontre, une rencontre intellectuelle, une rencontre décisive. Et je crois que c'est peut-être le seul maître que j'ai eu dans toute ma carrière de psychanalyste. Je trouve qu'il y avait chez Claverolles une capacité à transmettre par son style ce qu'est la psychanalyse. Que j'ai retrouvé nulle part ailleurs. Ceux qui ont suivi le séminaire de Lacan disent que Lacan l'avait encore plus, je dirais, cette capacité. Mais moi, j'ai très peu suivi le séminaire de Lacan. J'ai été au séminaire de Lacan un peu trop tôt. Après deux ou trois ans d'analyse, je suis allé au séminaire de Lacan. C'était les noms du père, les noms Dupère, et j'ai rencontré mon analyste. Et ça a provoqué une sorte de fuite. Je ne vais probablement pas être encore en mesure d'assumer cette place, je dirais, de futur analyste ou d'impétrant, je ne sais pas comment il faut dire. Et j'ai donc renoncé à aller au séminaire de Lacan pendant quelques années. Et quand j'y suis retourné, je dois dire que le spectacle était désolant parce que c'était la fin de l'enseignement de Lacan et il était... en panne, il était vraiment, c'était, il y avait quelque chose de pathétique et du coup, je peux pas dire que j'ai vraiment pu apprécier le génie de Lacan, en tout cas en œuvre dans son séminaire, dans son enseignement. Mais j'ai gardé, je dois dire, à l'égard de Claverolles, toujours une dette fondamentale. Je pense que c'est par lui que je suis venu à la psychanalyse et que j'ai jamais oublié ce moment-là. Et je ne suis pas le seul, parce qu'il n'avait pas envie d'avoir des disciples, donc de toute façon, je ne me sens pas du tout dans cette peau du disciple en quoi que ce soit, parce que lui-même n'était pas du tout dans cette volonté de faire des disciples, ce n'était pas son propos. Mais je pense que ceux qui se sont frottés analytiquement à Claverolles, j'en ai parlé avec beaucoup de mes collègues, ont un peu le même point de vue. C'était quelqu'un qui avait quand même un style très particulier et une radicalité dans sa façon de concevoir les choses, un refus, je dirais, obstiné du bon sens, un refus obstiné du compromis, enfin tout un tas de choses qui... Après, j'ai connu Claverolles en institution, j'ai connu Claverolles en contrôle, enfin, j'ai connu dans différentes situations, j'ai même connu, je peux dire, de façon sociale, parce que j'ai dîné avec lui ou je l'ai vu dans des situations. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'était cette façon, ce style particulier, où jamais il se laissait, je dirais, attraper comme ça par le discours commun. Il mettait toujours en question le discours commun. Et puis, ça s'appuyait quand même, il faut dire, ce qui est quand même important, sur une clinique. C'était un clinicien très fin, très, très, très subtil, et à plusieurs reprises, dans des situations cliniques vraiment très, très angoissantes ou très embarrassantes, j'ai fait appel à lui et, comme contrôleur, là, et je dois dire que chaque fois, ça m'a apporté quelque chose. Alors, comme toujours, il y a aussi des nuances, et je pense en particulier à une chose qui pour moi était peut-être un peu douloureuse avec lui, c'était son rapport à la médecine. Je pense que son rapport à la médecine a été compliqué pour moi. C'est-à-dire que j'étais moi-même en difficulté dans mon propre rapport à la médecine, parce que je suis fils de médecin, j'avais donc... probablement un compte à régler avec la médecine, et
Lui-même, de ce point de vue-là, par sa radicalité, ne m'a peut-être pas aidé à me sortir aisément. Du coup, j'ai tenu de façon peut-être un peu excessive à mettre ma boutique en dehors de toute, je dirais, pratique médicale. C'est-à-dire, en gros, j'ai absolument pas prescrit de médicaments pendant des années et des années. Et puis, en fait, je me suis aperçu qu'au bout d'un certain temps, j'avais envie de le faire. Et de ce point de vue-là, je ne pouvais pas m'appuyer sur Clavreul. Parce que Clavreul était quand même très, très opposé. Enfin, en tout cas, moi, le Clavreul que je fréquentais, peut-être qu'avec d'autres personnes, il y a d'autres expériences, était très opposé à tout cela. Mais j'ai quand même persisté. Au fur et à mesure, je me suis autonomisé. Et j'ai eu une pratique de psychiatrie de ville aussi, en dehors de ma pratique d'analyste. Et je me suis réconcilié un peu avec la médecine par ce biais-là, c'était très important. Et un jour, il m'a dit, mais lendemain, comment vous faites pour prescrire? Alors j'ai dit, bah écoutez, j'irai lui dire, moi j'ai jamais réussi. Et il m'a dit, peut-être parce que mon père était pharmacien. Et là, ça a été un choc. Je me suis dit, voilà, finalement, ce type que j'ai admiré, qui était pour moi un maître, finalement m'avoue peut-être un reste de symptômes névrotiques dont il ne m'a jamais parlé, pour cause, puisqu'il n'avait pas lieu de m'en parler. Et finalement, ça a dédramatisé. Je me suis dit, après tout, c'est son problème aussi de ne pas vouloir prescrire. Moi, j'ai besoin de faire ça. Je ne me refuse pas à la prescription psychiatrique. Même, bien sûr, je ne mélange pas. En général, les gens que j'ai en analyse, je ne leur prescris pas. Enfin bon, ça, c'est un problème de cuisine interne. Mais ça a été un moment important et ça a été un conflit avec Clavreul de ce point de vue-là, parce que je le sentais comme radicalement opposé à toute prescription médicamenteuse. Et je n'étais pas d'accord. Ça ne me convenait pas, ça ne convenait pas à mon propre style, et finalement, il m'a laissé choisir moi-même ma voie, quoi. Mais ça a été un combat quand même. Et, alors voilà comment je l'ai rencontré, voilà comment les choses se sont nouées, et puis je l'ai quitté, il était encore en bonne santé, donc je n'ai pas connu les toutes dernières années où sa santé déclinait. Je l'appelais de temps en temps pour avoir de ses nouvelles, mais j'ai pas... Alors là, de ce point de vue-là, je n'ai pas été un disciple, parce que lui avait une conception du contrôle où on va jusqu'au bout, quoi. Le contrôle peut durer indéfiniment, et je crois même savoir qu'il est allé voir Clavreul pratiquement jusqu'au bout pour des séances de contrôle, alors qu'il était déjà quelqu'un d'expérimenté. Qui ça, vous dites? Clavreul est allé. Il est allé voir quelqu'un en... Lacan. Ah, Lacan, d'accord. Lacan, il est allé voir Lacan. Il est allé voir Lacan, m'a-t-on dit, jusqu'au bout pratiquement. Donc lui-même, alors qu'il était déjà extrêmement expérimenté, extrêmement chargé d'expérience, il a quand même tenu à aller en contrôle. Il avait une conception du contrôle très particulière. Il y a une revue, Patio, qui a un numéro où il parle de ça, dans une interview, où je crois que c'est Olivier Grignon et quelqu'un d'autre qui le... je ne sais plus si c'est Jacques Assoun ou quelqu'un d'autre qui l'interviewe, et il parle du contrôle de façon tout à fait intéressante. Mais dans la pratique, on pouvait rester comme ça des décennies en contrôle chez lui, ce qui a été mon cas, hein. Je continuais à aller le voir, et je lui parlais de ma pratique. Mais je n'ai pas été jusqu'au bout, j'ai arrêté, je crois, aux alentours de 2002, j'ai arrêté à ce moment-là. 3-4 ans avant sa mort. Ouais, 4 ans avant sa mort, voilà. De ce point de vue-là, je dis que je n'ai pas été fidèle, en quelque sorte, à sa propre conception du contrôle. Mais il n'y a pas eu de conflit majeur de ce point de vue-là. Il n'y a pas eu de, rupture. Y a pas eu, ça s'est fait, je dirais, tout naturellement. Je pense que j'avais l'impression d'être arrivé un peu au bout de ce que je pouvais. Comme ça, il me fallait une pause. Il fallait que j'arrête avec lui. Et je dois dire que ça a été bénéfique. Et j'ai... plus tard repris une tranche d'analyse, mais il m'a fallu du temps quand même, il m'a fallu presque 4 ans et demi pour pouvoir reprendre une tranche d'analyse avec quelqu'un d'autre, et j'ai pas par contre repris de contrôle systématique. Il m'est arrivé d'avoir des séances de contrôle ponctuelles, mais pas de contrôle systématique avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'à l'avenir je le ferai, mais il reste vraiment pour moi une référence indépassable du point de vue du contrôle. Il m'a vraiment
former, quoi. Aider à ma formation de façon... Je ne suis pas le seul, il a formé des dizaines et des dizaines de psychanalystes. Quelqu'un qui, justement, comme il est... Et des gens qui venaient de toutes les institutions, qui n'étaient pas... qui savaient très bien qu'il avait un... Même s'il a contribué au combien à la marche de l'école freudienne, même si après il a créé le CERF, si après il a contribué à la fondation de la Convention psychiatrique, c'est quelqu'un dont, qui avait une conception d'institution où finalement l'analyse c'était, je dirais, l'analyse, il a écrit un article qui s'appelle l'analyse contre l'institution, c'est ça, tu vois, il choisissait l'analyse avant tout, et même s'il participait de l'institution, il avait l'idée que le désir de l'analyste est toujours, d'une certaine façon, contre l'institution. Il a toujours mis l'accent sur cette contradiction structurelle, même si sur le plan propositionnel, comme on dit, l'analyste peut dire oui à l'institution, peut participer de l'institution, il faut qu'il sache qu'il sera toujours en tension, parce que son désir d'analyste est toujours, d'une certaine façon, dans le non à l'institution. Et ça, c'est quelque chose que m'a enseigné Clavreul, et qui lui valait que beaucoup de gens... venaient le voir pour des contrôles ou voir pour des analyses et des gens de différentes institutions, y compris d'institutions qui étaient a priori très opposées à celle à laquelle ils participaient. Je dirais cette position de radicalité, cette position, je dirais, de mettre l'accent sur le fait que le désir d'analyste est structurellement en opposition ou en tout cas en contradiction avec l'institution, faisait qu'on avait le sentiment, peut-être à tort, d'une certaine destructivité. C'est-à-dire que dans l'institution, je pense à la Convention psychanalytique, on avait l'impression de jamais pouvoir bâtir quelque chose, de jamais pouvoir s'installer, qu'on était toujours dans une instabilité, dans quelque chose qui s'assimilait quand même un peu à une certaine forme de destructivité, qui fait que la Convention a finalement explosé au bout d'un certain temps, un temps pas si long que ça, je crois, une dizaine d'années, même pas, très rapidement, parce que beaucoup de, et en particulier, je crois, Mustapha Safran, j'en suis pas sûr, il faudrait lui demander, mais ne supportait plus que cette radicalité soit mise au service d'une certaine forme de, je dirais, de destruction, de refus, d'installer quelque chose, qui fait qu'on était toujours dans une sorte de forum 68-art, d'assemblée générale, très intéressant, de polémiques, de bagarres, très enrichissantes, mais dans la marche même de l'institution, ça finissait par devenir répétitif, ça finissait par devenir lassant. Et c'est arrivé ce qui est arrivé, finalement, cette institution c'est littéralement effondré, d'abord parce qu'il y a eu un conflit entre les deux fondateurs, il y en avait d'autres qui étaient des fondateurs, enfin les deux qui cristallisaient le transfert, c'est-à-dire Safon et Clavreul, et puis après, elle a fini par prôner elle-même son autodissolution, ce qui a eu lieu. Mais moi j'avais à l'époque déjà, depuis un an, quitté la convention pour aller rejoindre une institution plus classique qui me paraissait plus solide et surtout dans laquelle je pouvais inscrire mon désir. C'est-à-dire qu'à la longue, j'arrivais plus à inscrire mon désir dans cette espèce de... J'avais l'impression que les gens venaient là pour cracher leur venin et repartir et que rien ne se construisait. Dès qu'un projet commençait à être bâti, il y avait une volée de bois vert, une critique où les gens confondaient, je dirais, radicalité ou ironie socratique et méchanceté ordinaire. Et puis, je trouvais que j'avais plus envie, voilà, j'avais plus envie de participer de cela. Comme en plus Clavreul a eu l'élégance de se retirer quelques années avant la dissolution, ça a été parfait pour moi, je n'ai pas eu du tout de conflit interne, ni avec lui, et quand je me suis inscrit dans une autre association, qui était l'association de Manoni, et là où j'ai trouvé vraiment de quoi inscrire mon désir, mon désir de travail, et j'ai pu continuer à me former, ce qui était finalement l'objectif. Je pense qu'à la convention, j'arrivais plus à suivre, j'arrivais plus
je ne me sentais plus vraiment partie prenante de cette affaire. Et que c'était en partie peut-être une façon un peu peut-être que le transfert sur Claverolles commençait un peu à se dissoudre aussi par ce biais-là. Parce que c'était vraiment son style. La convention a été très profondément marquée par le style de Claverolles. Il disait que on peut mettre un diagnostic, ce qu'il appelait un diagnostic de structure, pour savoir au fond un peu plus, pour se repérer, de savoir un peu plus ce qu'on va faire. Mais si vous avez par exemple l'idée que quelqu'un est psychotique, il ne faut pas en faire un psychotique. C'est-à-dire que le fait qu'il soit psychotique va probablement, même sûrement, induire un transfert d'une nature un peu particulière, va impliquer des adaptations du cadre éventuellement, mais si vous en faites un psychotique, d'une certaine façon, vous ne pourrez plus l'écouter. Vous serez, et je crois que ça, je crois que c'est la façon dont donc Claverolles a parlé du discours médical qui me reste en mémoire dans ce genre de situation. Je me dis qu'au fond, le discours médical, c'est un discours du maître. Et que si on utilise le diagnostic pour faire, pour ontologiser ou pour étiqueter un sujet, on est à coup sûr, on rate la dimension de l'analyse. C'est-à-dire que ça rend l'analyse absolument impossible. Et ça, je pense que Claverolles l'a théorisé et me l'a transmis. Quand j'ai eu comme ça des patients, je vais vous donner un exemple, il m'arrivait d'avoir des patients, j'éprouvais de l'angoisse tout à fait inexpliquée face à des patients qui n'étaient pas particulièrement, propices à générer cette angoisse dans ce qu'ils disaient. Et j'éprouvais de l'angoisse. Et en fait, je me suis aperçu, et j'en ai eu la confirmation à plusieurs reprises, que, par exemple, je pouvais être angoissé parce que je n'avais pas encore fait un diagnostic de structure. Et que déjà, probablement dans mon préconscient, ou même dans mon inconscient, je savais qu'ils étaient psychotiques et que je ne me l'étais pas encore représenté. Et au moment où je tilte, d'une certaine façon, je me dis, tiens, il y a des gens qui sont tellement éminemment psychotiques que la question ne se pose pas, mais il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus discret. Et il faut un long cheminement et un long travail d'élaboration pour s'en apercevoir, et en particulier, on s'en aperçoit dans le transfert. Et à ce moment-là, l'angoisse s'en va. L'angoisse s'en va, et je me retrouvais avec la possibilité d'une certaine apaisement pour écouter ces patients. Mais à ce moment-là, le danger est, ce que je disais tout à l'heure, de faire en sorte que ce soit que d'en faire un psychotique. Et c'est là où Claverolles me mettait toujours en garde. C'est ce moment-là où il me disait, c'est là où le danger, effectivement, vous guette de ne plus pouvoir fonctionner comme analyste. Et peut-être que tant que vous étiez dans l'angoisse, même si vous éprouviez quelque chose de douloureux, vous étiez peut-être plus à ce moment-là susceptible d'écouter ce patient ou d'être dans l'analyse. À partir du moment, au fond, tout diagnostic, même de structure, est toujours un acte de maîtrise. C'est un acte qui relève du discours du maître. Et à cet égard, il est toujours potentiellement susceptible de faire chuter la position d'analyste. Et c'est là où je crois avoir compris la différence radicale entre le discours médical et le discours de l'analyste. Au fond, pour le médecin, le diagnostic, c'est comme une trouvaille scientifique. Et à ce moment-là, il s'efface dans sa subjectivité. Et moi, quand je faisais ce diagnostic de structure, je n'étais plus angoissé. Pourquoi ? Je n'étais plus angoissé parce que j'effaçais ma subjectivité, comme le médecin. Mais si je voulais continuer à fonctionner comme analyste, il fallait que je réintroduise cette dimension subjective, parce que c'est avec ça qu'on travaille. Et donc, il fallait que, d'une certaine façon, je quitte cette position de maîtrise, je quitte cette position de discours du maître. Et c'est là où Claverolles m'a beaucoup aidé dans les séances de contrôle, dans certains cas. Et quand je parle des psychoses, je peux parler aussi de la névrose ou de la perversion, enfin toutes les structures freudiennes. Mais dans la psychose, ça m'a particulièrement frappé, parce que ça se posait, je dirais, cliniquement autour de cette question de l'angoisse, et que j'ai pu mesurer, je dirais presque physiquement, en quoi
passer dans un discours du maître peut être apaisant pour la subjectivité. On élimine notre subjectivité, c'est extrêmement apaisant, on se retranche derrière un savoir constitué, et c'est extraordinairement... On n'est plus divisé, voilà. L'angoisse est quand même la marque d'une division. Et à partir du moment où l'angoisse s'en va, on va mieux, mais... Et on ne peut pas travailler comme analyste sans une certaine division, ce n'est pas possible. Il faut tenir cette position de division. Alors évidemment, il ne faut pas être dans l'angoisse excessive, dans l'angoisse paralysante, mais on ne peut pas ne pas avoir cette division pour écouter le sujet, pour écouter le patient. Et si on est simplement dans la maîtrise, on passe du côté de la psychiatrie, on passe du côté de la médecine. Voilà un exemple de ce qui me reste. Et je veux dire que j'utilise, j'allais pas dire au quotidien, mais quasiment, de l'enseignement de Clavrin. Vous me disiez tout au début, vous aviez été longtemps en analyse avec lui. Oui. Combien de temps à peu près ? Alors, j'ai fait une tranche de, je ne sais pas exactement, je dirais, en deux temps, ça a dû faire à peu près 8 ans. Avec Alors j'ai commencé par faire une analyse avec Tostin. Et ensuite, j'ai commencé un contrôle avec Clavreul et j'ai continué mon analyse avec Tostin, que j'ai arrêté. Ensuite, je suis allé chez Clavreul pour l'analyse et le contrôle en même temps. Puis j'ai arrêté l'analyse et j'ai continué le contrôle. Donc je suis resté en tout 25 ans de travail analytique avec Clavreul. Je crois avoir pris une distance quant à son rapport à l'institution analytique. Je crois que je suis convaincu que il avait l'idée probablement que, qu'aucune institution analytique n'était, un jour il m'a dit la seule chose qui était intéressante à l'école freudienne, c'était Lacan. Donc, j'ai compris à ce moment-là que tout ce qui effectivement pourrait être de l'ordre de l'institution n'aurait jamais, d'une certaine façon, grâce à ses yeux, au fond, la seule chose qui l'avait intéressé. Donc il désignait bien quelque chose, au fond, que c'est le maître, que c'est le transfert sur le maître qui est intéressant. Puis bon, puis Lacan n'était pas n'importe qui, donc il avait tout à fait raison. Et moi, j'ai pris des distances par rapport à ça. Je pense que on est une génération où il n'y a plus de maître. Il n'y a plus de maître, donc il faut faire autrement. Il y a peut-être quelques-uns qui se prennent pour des chefs, mais ce n'est pas des maîtres pour autant. Et je pense que la place du chef est une place logique, mais ce n'est pas une place à occuper nécessairement, que quelqu'un doit occuper nécessairement. Au contraire, je pense qu'il faut la laisser le plus vite possible, et c'est une place logique. Alors, là, de ce point de vue-là, je pense que Clavreul n'était pas prêt à passer le cap, je dirais, d'une institution où il n'y aurait pas quand même, je dirais, quelque chose qui rappellerait ce qui s'était passé du temps de Lacan. Et maintenant, on est quand même dans une autre phase, et les institutions de deuxième, troisième génération après la dissolution de l'école de Lacan sont des institutions qui fonctionnent sur une collégialité, une vraie collégialité. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas de transfert les uns sur les autres, mais qui se reconnaissent mutuellement comme étant des gens avec qui on peut travailler, comme étant des gens avec qui on peut élaborer. Et je pense qu'au fond, Clavreul, pour tout un tas de raisons, je n'ai jamais entendu dire du bien de qui que ce soit. Je pense qu'à part Lacan, évidemment, il ne reconnaissait pas fondamentalement les autres. Il y avait quelque chose comme ça de... il pouvait avoir une reconnaissance pour un tel ou un tel, mais je pense que dans le fond, il n'était pas prêt à une collégialité réelle. Il n'avait pas vraiment cette possibilité, probablement du fait du moment historique dans lequel il a exercé, du fait de la personnalité de Lacan, du fait de l'histoire. J'ai jamais senti à la convention psychanalytique une collégialité réelle entre les gens même qui auraient pu
Parce qu'il n'y avait pas que Clavreul et Safon, il y avait d'autres gens, il y avait Ginette Rimbaud, par exemple, il y avait Tostin, enfin c'était des gens donc, qui avaient exercé des responsabilités à l'école freudienne et qui auraient pu, comme ça, constituer un groupe de co-responsables, etc. Ça n'a pas marché du tout. Et je pense que c'était lié et que Clavreul ne le souhaitait pas, fondamentalement. Alors que moi, de ce point de vue-là, j'ai fait l'expérience à Espace Analytique d'une véritable collégialité et je trouve que c'est très enrichissant. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de maître, il y a des gens qui ont des styles différents, qui ont des histoires différentes, mais qui ont suffisamment en commun pour que ça marche. Et c'est une diversité qui enrichit. C'est pas une diversité où, comme l'auberge espagnole, ou je sais pas quoi, tout le monde amène ce qui. C'est une diversité où il y a quand même des points communs, il y a des regroupements communs, il y a des points de d'élaboration commune, il y a des principes, mais il y a une très grande diversité et il y a une collégialité. Et ça, je l'ai pas connu du temps de Clavreul. Il y avait quelque chose comme ça qui était plus cristallisé autour du maître, cristallisé. Alors, il s'en plaignait, évidemment, mais il disait qu'il en avait marre d'être comme ça, lié par le transfert, que les autres avaient sur lui, etc. Mais je crois que, dans le fond, c'était historiquement impossible qu'il en soit autrement. Je ne sais pas s'il a une responsabilité en tant que tel, mais de ce point de vue-là, je pense que j'ai pris une distance. Alors maintenant, dans ma pratique d'analyste, est-ce que j'ai pris une distance à l'égard de Clavreul? Probablement. Je pense que j'ai quand même été intéressé et influencé, je crois, par Maud Mannoni. Je pense que Maud Mannoni m'a probablement ouvert à la clinique des psychoses, m'a ouvert à une certaine façon à la clinique des enfants. Et Clavreul n'était absolument pas ouvert à la clinique des enfants. J'ai l'impression que, enfin, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est que ça ne l'intéressait pas du tout, que tout ce qui était psychanalysé avec les enfants lui paraissait inintéressant ou dévalorisé, et il n'avait pas lui-même, à mon avis, beaucoup d'expérience de ce point de vue-là. Donc, c'est pas que je reçoive des enfants dans ce sens que ce serait une différence avec Clavreul, mais je pense que la clinique avec les enfants m'a apporté des choses qui m'ont fait faire un pas de côté par rapport à ce que Clavreul prônait lui-même. Et Mannoni aussi, du point de vue de la psychose, je pense que j'ai appris des choses qui étaient, de ce point de vue-là, peut-être pas en contradiction, mais qui n'étaient pas dans l'apport de Clavreul. Maintenant, dans la pratique, je dirais, quotidienne, je ne sais pas si je peux dire que j'ai vraiment pris des distances. Je n'ai pas souhaité non plus à tout prix prendre des distances. Ce n'était pas le but de l'opération. Et j'ai surtout souhaité construire mon propre style, construire ma façon de travailler. Et de ce point de vue-là, il m'a laissé libre. Il ne m'a pas imposé un style, il ne m'a pas imposé des choses. Et puis surtout, quand j'étais pas d'accord avec lui, je lâchais pas, c'est-à-dire que mais il avait l'idée que c'était l'analyste lui-même, par exemple, quand j'étais en contrôle, c'était l'analyste lui-même qui était sur le terrain, quoi. Au fond, le contrôleur ne devait pas dicter en quoi que ce soit la conduite à tenir, hein, comme on dit en médecine, qui avait quelque chose d'absolument ineffaçable et dans le fait de s'autoriser de soi-même. Et que c'était à respecter. Et à plusieurs reprises, il m'a mis en garde comme ça contre quelque chose qui pouvait arriver ou qui pouvait éventuellement. Mais je n'avais jamais l'impression d'avoir des conseils en bonne et due forme ou des directives. Alors, de ce point de vue-là, c'est plus facile de prendre des distances avec quelqu'un qui vous laisse une certaine liberté qu'avec quelqu'un qui est comme ça dans un système plus rigidifié. Et qui du coup vous impose soit de vous soumettre, soit de vous démettre. Je sais que d'autres personnes avec qui j'en discutais n'ont pas la même expérience que moi, ce qui est quand même étonnant. Ils sont allés en contrôle avec lui et ils en parlent autrement. Donc ils devaient probablement adapter aussi à chacun. C'est ça
qui est intéressant. Probablement que le contrôle qu'il avait avec Landman n'était pas le même qu'il avait avec Tartampion, etc. Probablement qu'à chaque personne, il avait cette possibilité d'adapter. C'était pas stéréotypé, voilà. Pour moi, les distances les plus douloureuses que j'ai, ça a été sur la question de l'institution et sur la question de la médecine. C'est plutôt là. Sur la pratique de l'analyse, j'ai été enrichi par Maud Manoni et quelques autres, mais je n'ai pas eu besoin ou le désir de véritablement prendre des distances à tout prix. J'ai au contraire eu l'impression qu'il m'avait mis, comme il disait, le pied à l'étrier. Et puis que... Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des changements dans les symptômes des patients qu'on rencontre? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis les années 80. Je pense que on reçoit, je dirais, de façon plus fréquente qu'avant, par exemple, des gens qui, paradoxalement, ne veulent pas faire d'analyse, mais qui viennent voir un analyste. C'est-à-dire comme si le transfert sur la psychanalyse avait pris ou l'image de la psychanalyse dans la culture faisait que les gens viennent voir un analyste parce qu'ils ont l'idée que c'est quand même l'endroit où on ne va pas les juger, on ne va pas les exploiter commercialement, on va pas les draguer, on va pas, je ne sais plus, enfin, toutes les choses qu'on voit dans les relations ordinaires, mais qu'on va les écouter, qu'on va leur permettre d'élaborer leurs questions, qu'ils vont pas trouver nécessairement une réponse toute faite ou une réponse trop rapide, mais en même temps, ils veulent pas faire d'analyse, comme si il y a toujours eu des gens comme ça. Mais maintenant, je pense qu'il y a une fréquence de ce type de demande qui est symptomatique. Je pense que la place de la psychanalyse est toujours importante. Les gens la reconnaissent comme étant importante, mais ils ne veulent pas faire d'analyse. C'est-à-dire qu'ils ont l'idée que l'analyse n'est plus aussi émancipatrice, n'a plus cette image émancipatrice qu'elle avait dans les années 80 et même dans les années 70 où moi j'ai commencé mon travail analytique. Les gens lui reconnaissent toujours une place privilégiée pour le questionnement, lui reconnaissent toujours une place privilégiée pour l'élaboration des questions, mais ils n'en attendent plus une émancipation comme c'était le cas auparavant, une désaliénation, une émancipation, enfin appelez ça comme vous voulez. Et c'est ce qu'ils expriment en disant qu'ils ne veulent pas faire d'analyse, parce qu'ils craignent la plupart du temps. Bon, parfois c'est totalement dépassé au bout d'un certain nombre d'entretiens. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça revient avec une certaine récurrence, ce refus de faire l'analyse. Parce que pour eux, l'analyse, c'est quand même essentiellement une sorte de labyrinthe dans lequel on s'enferme et qui est interminable. Et ils veulent échapper à cette... ils ont tous connu des gens qui étaient pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans en analyse et qui tournent en rond dans leur système. Et en même temps, ils savent très bien que, quelque part, c'est le seul lieu où ils vont pouvoir vraiment se questionner. Où il va y avoir vraiment la possibilité éthique de se questionner. Et du coup, ils veulent quand même profiter de l'analyse. Mais d'une certaine façon, ils ne veulent pas s'engager dans quelque chose dont ils ont la représentation d'interminable ou de... Et je pense que c'est lié à l'évolution des mentalités. Je pense que c'est lié au fait que les gens n'ont plus envie de passer autant de temps, autant d'argent, autant d'énergie dans un certain nombre de choses. Et qu'il y a une sorte de frénésie, je dirais, qui aussi imprime les demandes d'analyse, une certaine forme de rentabilité, de frénésie, etc. Donc on vient... à une époque, il y avait des gens qui venaient à la psychanalyse, je dirais, pour se vacciner contre la psychanalyse. Au fond, ils venaient une ou deux fois, trois fois, où ils allaient voir plusieurs analystes, puis après, hop, c'était fini. Là, c'est pas ça ce que je désigne. C'est-à-dire, ce sont des gens qui viennent
et qui ont vraiment envie de s'installer avec un analyste et d'élaborer leurs questions, mais il ne faut pas qu'ils aient l'idée ou la représentation qu'ils vont faire une analyse, parce que ça, ils n'en veulent pas. Encore une fois, ça peut se dépasser. Et ça, la plupart du temps, d'ailleurs, ça se dépasse. Mais c'est quelque chose que je remarque avec une grande fréquence. Alors, bon, il y a des évolutions aussi d'une autre nature, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent maintenant, je dirais, à la psychanalyse parce qu'ils ont un refus, je dirais, des méthodes traditionnelles, médicales, pour soigner leur souffrance psychique, que ce soit les médicaments ou qui ont eu des mauvaises expériences avec des thérapies de type comportementaliste, etc. Alors, dans les années 80, il n'y avait pratiquement pas de concurrence à la psychanalyse. La psychanalyse régnait en maître. Maintenant, ce n'est plus tout à fait le cas. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent spontanément, mais qui viennent spontanément pour demander une aide psychiatrique ou une aide, je dirais, de type médical. Alors, c'est un travail différent. C'est-à-dire qu'on a de ce point de vue-là un temps préliminaire pour leur permettre de se dégager, soit leur expliquer que la psychanalyse, c'est tout autre chose qu'un travail de... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui viennent et qui ont vraiment des symptômes dépressifs très invalidants, très, très compliqués, très, très perturbants. Il m'arrive de leur dire, ils me disent, bon, j'ai besoin de médicaments, je dois prendre des médicaments. Je leur dis, oui, pourquoi pas. Quand il y a des problèmes, il faut parfois des solutions. Et les médicaments, ça peut être une solution aux problèmes dépressifs que vous décrivez. Mais je leur dis, mais derrière les problèmes, il y a des questions. Et ces questions, ce n'est pas les médicaments qui vont les régler, en aucun cas. Ça va vous redonner de la pêche, ça va vous, dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas trop d'effets secondaires, vous serez finalement satisfait d'avoir pris ça, vous pourrez redémarrer, vous pourrez vous retrouver dans le cycle de votre vie, en quelque sorte, un peu une sorte de guérison médicale. Mais les questions qui étaient, je dirais, derrière ces problèmes, ça peut en aucun cas être l'affaire des médicaments. Donc ils font bien la distinction entre les deux. Il y en a qui arrivent à faire la distinction entre ces... Et de ce point de vue-là, on arrive à un partage des eaux. D'un côté, mais c'est un nouveau partage des eaux. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on avait auparavant. Apparavant, on avait, je dirais, soit on était dans la psychiatrie la plus traditionnelle, soit on était dans la psychanalyse. Là, maintenant, on a des gens qui vont être dans les deux. Pourquoi ? Parce que la psychiatrie elle-même a évolué. C'est-à-dire que les médicaments qu'on donne maintenant sont bien moins invalidants. Vous avez des médicaments qui n'empêchent pas de rêver. Enfin, il faut être nuancé. Hein. Vous avez des médicaments... Alors qu'avant, quand on donnait des antidépresseurs ou on donnait à fortiori des neuroleptiques, les gens étaient complètement, je dirais, dans l'incapacité de faire un travail de parole, tellement ça les imprégnait. Maintenant, on arrive à des médicaments plus soft. Des médicaments... Mais il y a un passage qui est encore difficile, c'est que quand les antidépresseurs, par exemple, leur suppriment leurs symptômes, à ce moment-là, c'est difficile. Quand vous allez mieux, vous n'avez plus envie d'aller effectivement chercher les questions qu'il y avait derrière les anciens problèmes qui ont disparu. Donc là, il y a un travail différent qui n'existait pas, en tout cas pas avec cette fréquence dans les années 80. Et quand vous écoutez Clavreul, il a tendance à bien séparer la psychiatrie de la psychanalyse. Maintenant, les choses sont moins claires. On a affaire à des demandes beaucoup plus brouillées de ce point de vue-là. Et on a un travail de partage des eaux, comme je disais, qui est extrêmement intéressant et qui est absolument nécessaire. Et ça, c'est une nouveauté. Et puis, on a, je dirais, la clinique de l'adolescence qui explose littéralement. C'est-à-dire qu'on a, moi, j'ai beaucoup de demandes du côté des adolescents. Le problème actuel de l'adolescence,
Je ne sais pas s'il était... Dans mon souvenir, il n'y avait pas une telle explosion de symptomatologie à l'adolescence. Il y en avait, bien sûr, il y en a toujours eu. Et où on n'y prêtait pas autant d'attention. Maintenant, on a des phobies scolaires très importantes. Ça tient en particulier à l'évolution de la culture. Vous avez des gosses qui passent leur temps dans le virtuel. Bon, c'est en gros un élève du collège ou du lycée qui essaye vainement d'aller dans l'établissement scolaire, qui généralement s'en approche, pour prendre l'exemple typique, et puis qui, au dernier moment, rebrousse chemin, rentre chez lui ou fait l'école buissonnière, mais ne peut pas franchir la porte de l'établissement. Il s'en approche, il reste pas chez lui cloîtré, il essaye. Il y a tout un tas de cas particuliers, enfin, en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Et il rebrousse chemin, et il rentre chez lui. Alors, évidemment, il s'ensuit tout un tas de problèmes, de désocialisation, de chute des résultats scolaires. C'est un symptôme qui ne passe pas inaperçu. Bon, parfois, il est dissimulé un certain temps par l'intéressé, mais très rapidement, les parents sont au courant, et on a un problème de phobie scolaire. Et je dois dire que c'est un problème qui est tenace. C'est-à-dire que, en règle générale, c'est pas un symptôme dont on arrive à bout comme ça très facilement. Et parfois même, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a derrière cette phobie scolaire et ça cède. Et puis parfois, ça cède pas. Alors, les gens, au bout d'un certain temps, vont voir des comportementalistes, ça marche pas plus, ou ça marche, tant mieux, ils reviennent voir des analystes. Enfin, ils essayent tout un tas de trucs, mais c'est très, très, très embarrassant. Et même si je le répète, il y a toujours eu des phobies scolaires, je pense que c'est accentué par les tendances lourdes de la culture actuelle. C'est-à-dire que le virtuel, la possibilité, je dirais, d'une socialisation virtuelle, peut créer les conditions, je dirais, au moins pour ces certains sujets fragiles, les conditions de la constitution d'une phobie scolaire. On peut être en communication avec le monde entier, on peut être en communication virtuelle avec beaucoup d'institutions. On a, d'une certaine façon, ça peut produire le lit pour que se développe ce type de phobie, où justement la socialisation classique, ordinaire, commune, c'est l'école, c'est le collège, c'est le lycée, et on peut échapper à ce type de socialisation en restant dans l'univers je dirais, à la fois auto-érotique et virtuel, qui est proposé par l'ordinateur, par Internet, enfin par tout l'ordinateur communicant, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez des critiques que l'on entend vis-à-vis de la psychanalyse depuis 2-3 ans Concurrence des thérapies, pourtant, oui, d'une certaine façon, oui, il y a, même si on peut dire que la psychanalyse n'est pas une thérapie comme une autre, il y en a même qui contestent que ce soit une thérapie, ce qui n'est pas totalement absurde, loin de là. Par exemple, je vais vous donner un exemple dans Freud lui-même. Il dit à un moment donné, au fond, que la guérison est une résistance. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir le voir avec un symptôme va se dépêcher de guérir de son symptôme pour échapper à l'analyse, précisément. Donc, ce succès psychothérapique est considéré par Freud comme une résistance à la psychanalyse. Donc, on peut dire que de ce point de vue-là, ceux qui disent que la psychanalyse n'est pas une psychothérapie, peuvent se voir confirmer par cette position freudienne, indiscutablement. Bon, après, les choses sont évidemment à nuancer, sont plus compliquées. Mais donc, si on met quand même en concurrence la psychanalyse avec les autres psychothérapies, c'est vrai que, je dirais... la façon de prendre le symptôme, la façon dont dans les autres thérapies on élimine la dimension du transfert,
on élimine la rencontre avec l'autre, vraiment, au sens où le transfert est une rencontre avec l'autre, et on l'élimine de façon méthodologique. Donc, ça n'entre pas dans le cadre, ça n'entre pas dans le processus, dans le dispositif. Le transfert n'existe pas dans le dispositif. Ça peut produire des effets thérapeutiques, indiscutablement. On sait que les rééducations comportementalistes, les thérapies comportementalistes ont des succès et ils évitent beaucoup de gens, l'effort, la douleur que peut susciter, l'entrée dans un processus analytique ou même de psychothérapie analytique. Maintenant, je pense qu'on n'est pas sur le même terrain, on n'est fondamentalement pas sur le même terrain. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sur un terrain médicalisé, un terrain où il s'agit de rectifier une erreur de calcul. Au fond, vous avez quelqu'un qui se trompe dans ses calculs et vous allez, de façon avec un certain tact, mais pas toujours, enfin on peut imaginer même avec beaucoup de tact, vous allez l'aider à calculer correctement ses comportements. Au fond, cher monsieur, vous trompez dans vos additions, on va vous aider à calculer correctement et à tomber sur le résultat juste. Pourquoi pas ? Mais simplement, quand on est dans le travail analytique, on est dans tout autre chose. On ne dit pas aux gens, vous vous trompez. On leur dit au contraire, votre erreur recèle une vérité. Ce n'est pas une erreur de calcul qu'il faut corriger. C'est au contraire, quelque chose de tout à fait essentiel qui est source de vérité subjective, qui est source qui est la preuve qu'il y a quelque chose que vous méconnaissez dans votre histoire subjective et que l'analyse peut vous permettre d'élaborer, peut vous permettre de rétablir une certaine continuité avec cette histoire méconnue. Donc on n'est pas du tout dans la même méthode, on n'est pas du tout dans la même, non seulement épistémologie, mais on n'est pas du tout dans la même éthique. Et c'est pour ça que je pense que c'est une fausse concurrence. Alors c'est une concurrence dans le marché de la psychothérapie en général. Mais fondamentalement, on ne fait pas la même chose, on ne propose pas du tout la même chose aux gens. Et j'ai quand même, en dehors des polémiques, si vous voulez, qui grossissent, dont le livre noir est une illustration, vous avez des gens qui font une thérapie comportementale un certain temps, puis après vont voir un analyste, puis après refont autre chose. Vous voyez, les gens ne se fixent pas uniquement sur des repères idéologiques. Les gens qui souffrent vont voir un médecin et selon ce que le médecin leur dit ou selon la confiance qu'ils ont, s'ils tombent sur un comportementaliste, ils vont essayer. Il y en a qui ont des idées préconçues, soit pour la psychanalyse absolument, soit contre la psychanalyse. Mais en règle générale, la plupart des gens viennent voir le médecin en confiance, le psychiatre, et ils ne sont pas toujours nécessairement dans une idée préconçue de ce qu'il leur faut, de ce qu'il leur faudrait. Bien heureusement d'ailleurs. Le livre noir... Je pense que c'est un bouquin qui n'amène rien de nouveau. Tous les textes, 99% des textes étaient déjà connus. Simplement, il y a eu un effet d'annonce, un effet de communication. Et je ne suis pas étonné que la psychanalyse reçoive comme ça. Au fond, on peut le prendre comme quelque chose de purement polémique, ou alors on peut après tout, certains des articles qui figurent dans le livre noir, d'autres sont à mon avis totalement à prendre avec des pincettes, mais certains sont peut-être effectivement des critiques qui sont exercées à la psychanalyse et à laquelle la psychanalyse doit, si ce n'est répondre, mais au moins y réfléchir. Je ne pense pas que tout est à... Alors peut-être dans le livre noir lui-même, je n'ai plus en souvenir exactement, mais je pense que chez certains détracteurs de la psychanalyse, il y a des gens honnêtes, il y a des gens bien intentionnés et qui veulent le débat avec, à condition de ne pas utiliser les critères de l'épistémologie scientifique, des sciences lourdes, pour
pour réfléchir sur la psychanalyse. La psychanalyse n'est pas une science, la psychanalyse n'est pas une religion, la psychanalyse c'est tout autre chose. Et on ne peut pas, à mon avis, utiliser les critères qui sont les critères de validation dans la physique et les appliquer à la psychanalyse. À mon avis, là, on est de mauvaise foi. C'est une toute autre chose, vous disiez, que la science ou la religion. C'est une façon d'appréhender l'être humain qui est, je crois, différente. C'est pas simplement une thérapie nouvelle ou une thérapie de plus. Je pense qu'il y a vraiment une façon de prendre l'être humain, de prendre la tragédie de l'existence humaine, de prendre la condition humaine d'une certaine façon et donner au désir humain, je dirais, une place centrale, une place exceptionnelle que, à mon sens, ni la philosophie, ni la médecine, ni les thérapies habituelles n'ont réussi à véritablement constituer, quoi. C'est une expérience, voilà. C'est une expérience qui a son, je dirais, son quelque chose de difficilement transmissible, mais qui a sa spécificité. L'analyse, c'est une expérience. On fait l'expérience d'une analyse. Après, on exerce éventuellement comme analyste, mais d'abord, on fait l'expérience d'une analyse. Et on se forme à travers cette expérience. Et que c'est la base de la formation, c'est l'expérience analytique. C'est-à-dire que ce qu'on a en commun, les analystes, c'est d'avoir fait cette expérience de l'analyse. En même temps, on a beaucoup de mal à communiquer entre nous ce qu'est, parce que pour chacun, il y a une singularité de cette expérience, mais elle est quand même repérable. Il y a des éléments repérables, des éléments, je dirais, de structure qui se retrouvent et qu'on peut mettre en commun dans une intelligence collective, ou dans ce qui devrait être une intelligence collective, en particulier, par exemple, dans les associations, ou dans des revues, enfin, tout ce qui constitue une certaine forme de communauté, entre guillemets, scientifique, analytique. Mais tous ont en commun une expérience. Ils n'ont pas en commun un savoir. Ils n'ont pas en commun n'importe quelle formation. Ils ont en commun une expérience. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de spécifique à la psychanalyse. Bah, mon projet, c'est toujours autour de la psychanalyse, évidemment. C'est-à-dire que ce serait de pouvoir continuer à faire en sorte que la psychanalyse vive, que la psychanalyse ait sa place dans la culture, que la psychanalyse, que je considère comme irremplaçable, et dont je pense, si vous voulez, qu'elle est un des éléments de ce qu'on peut appeler la démocratie, l'expérience du transfert, l'expérience de la rencontre avec l'autre, l'expérience de faire en sorte que on ne réduit pas l'autre à un diagnostic, qu'on ne réduit pas l'autre à une étiquette, qu'on ne réduit pas l'autre à une série d'équations, c'est quand même quelque chose qui dépasse le simple problème de la thérapie ou de la médecine. Je pense que ça va au-delà, c'est vraiment un problème de considération du sujet, et comme je disais, peut-être même que ça a des impacts sur le degré démocratique d'une société. Au fond, la façon dont on considère la folie, la façon dont on considère l'hystérie à une époque, me paraît un critère pour juger du degré démocratique d'une société autant que pourquoi pas, que la liberté de la presse. Donc, je pense que quand je prône, je dirais, la transmission de la psychanalyse est nécessaire, que sa place dans la culture doit être
maintenu le plus possible, je pense aussi, d'une certaine façon, enfin modestement, mais œuvrer pour, je dirais, pour en gros, la démocratisation de la société. Je crains que, je crois qu'il y a quelque chose de fondamentalement antitotalitaire dans la psychanalyse. Il y a quelque chose de, d'anti-exclusif. Alors, je sais bien que les psychanalystes ont raconté beaucoup de bêtises, qu'il y a eu des effets pervers de l'idéologie psychanalytique, tout ça, c'est probablement vrai. Mais, néanmoins, je pense que fondamentalement, le message freudien est un message fondamentalement antitotalitaire, un message fondamentalement, je dirais, qui va dans le sens de la démocratie. Mais alors, pas qu'il y a un message politique de la psychanalyse, mais dans les significations que j'ai essayé de développer autour de la place qu'on donne à l'autre, et en particulier au fou, à celui qui est pas comme tout le monde, à celui qui est à vocation à être exclu, finalement. Et qu'est-ce que vous pensez des projets de réglementation de l'exercice de la psychanalyse ? Il n'y a pas de projet de réglementation d'exercice de la psychanalyse. Il y a une loi, il y a des décrets d'application au jour d'aujourd'hui qui ne sont pas encore parus, mais qui vont l'être probablement, d'usage du titre de psychothérapeute. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Heureusement, il n'y a pas encore de... Alors, moi, je pense que toute réglementation par la loi, par a fortiori le droit de l'exercice de la psychanalyse, serait une catastrophe. Je pense que psychanalyse, les associations psychanalystes s'autorégulent suffisamment, que la psychanalyse, bien sûr, il peut y avoir des abus, des machins, etc., mais on prend beaucoup plus de risques à vouloir réglementer les choses qu'à les laisser dans une liberté. Maintenant, pour ce qui concerne l'usage du titre de psychothérapeute, moi je pense, et l'association Espace Analytique à laquelle j'appartiens, pense que les gens qui sont régulièrement inscrits dans les annuaires des psychanalystes devraient être dispensés, pourraient, s'ils le veulent, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup le voudront, faire usage du titre de psychothérapeute, parce que les gens qui sont inscrits dans les annuaires de psychanalystes, de l'association de psychanalystes, sont très formés, sont ultra formés, ils ont été analysés la plupart du temps à plusieurs reprises, ils ont fait des contrôles, ils ont fait des stages cliniques, ils ont exercé des responsabilités cliniques, ils ont été confrontés à des problèmes de clinique et donc des réflexions et de travail sur la métapsychologie et sur la psychopathologie de façon suffisamment approfondie pour qu'on ne leur demande pas en plus de faire un stage de 6 mois et 400 heures, de passer 400 heures sur les bancs de l'université. Je sais que d'autres associations ne sont pas du tout d'accord avec ça. Mais si vous voulez, moi, j'ai quand même une anecdote. C'est qu'il fut une époque, au moment où vous interviewiez Clavreul, d'ailleurs, à peu près à cette époque-là, donc il y a 25 ans, à peu de choses près, le gouvernement de l'époque, qui était un gouvernement de gauche, avait décidé la suppression de l'internat en psychiatrie. C'est-à-dire de quelque chose qui, a priori, ne concernait pas l'exercice de la psychanalyse. Encore moins que le décret d'application qui va apparaître sur l'usage du titre de psychothérapeute. Et à cette époque, l'internat de psychiatrie était à part. On était interne en psychiatrie par un autre concours que l'internat de médecine, médecine-chirurgie. Cette suppression, Maud Manoni, à l'époque, avait mis en garde les psychanalystes contre cette suppression, pensant que ça allait rendre l'exercice, que dans le cadre de la psychiatrie, ça réduirait l'influence de la psychanalyse. Et en fait, je pense avec le recul de 25 ans que c'était une énorme bêtise politique, que les associations psychanalystes, par leur silence et par leur désintérêt sur cette question, ont indirectement contribué au déclin de l'influence de la psychanalyse dans la psychiatrie. Et si à mon époque, quand j'étais interne, il y avait 80 à 90% des internes en psychiatrie qui étaient dans l'expérience de la psychanalyse, on peut dire que maintenant c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que c'est 80 à 90% qui n'y sont pas. Maintenant, j'espère que les associations de psychanalyse ne vont pas répéter, même si ce n'est pas le même contexte,
le même type de positionnement, et certaines sont déjà prêtes à le faire, en se repliant, en se drapant dans la dignité offensée de vrais psychanalystes, et de comme je disais, de dire qu'il ne faut pas confondre l'or pur de la psychanalyse avec le vil plomb de la psychothérapie. C'est vrai qu'on est psychanalyste, on n'est pas psychothérapeute, mais on exerce de fait des psychothérapies, on le fait comme analyste, donc on ne fait pas de la psychothérapie ordinaire, mais de fait, il n'y a pas de psychanalyste. Même avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Ou avec les psychotiques? C'est très compliqué de faire la distinction. Donc je pense qu'on est toujours dans une position d'analyste, mais on adapte notre pratique, notre cadre, à un certain nombre de situations cliniques. Et c'est ça la psychothérapie. Alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur la conception de la psychothérapie, mais tout le monde est d'accord pour reconnaître, en tout cas la plupart sont prêts à reconnaître que les psychanalystes font de la psychothérapie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont psychothérapeutes, mais ils font de la psychothérapie. Mais bon, on n'est pas là pour faire la police non plus. Je veux dire, il y aura toujours des gens qui chercheront à détourner la loi, qui chercheront à ruser. Mais sur le fond, la position de principe, c'est que les associations psychanalystes, et elles sont connues à 99%, les vraies associations, elles sont toutes issues en gros de la première association qui a eu lieu en France, la Société de Psychanalyse de 1927 ou 28, je ne sais plus là. Et d'ailleurs, il y avait un journal qui faisait l'arbre généalogique. Ce sont ça, les associations psychanalystes. Maintenant, il y a aussi des rigolos sur le marché, mais ces associations qui sont issues historiquement et symboliquement de cette première, je dirais, association mère, en quelque sorte, sont, à mon avis, les seules associations de psychanalystes dignes de ce nom. Donc elles sont connues, elles sont répertoriées, il n'y a pas de mystère. Et si quelqu'un demain crée une association psychanalyste qui vient de nulle part, on saura très bien que c'est une association bidon. Alors, donc il y a des risques, effectivement, mais je pense que ces risques sont moins grands pour la psychanalyse que les risques de marginalisation dans la culture, dans la pratique, les associations psychanalystes refusent qu'il y ait une dispense pour leurs membres qui sont ni psychologues ni médecins. Parce que c'est ça la loi. Ce sont les psychologues, les médecins et les membres, les analystes régulièrement inscrits dans l'annuaire de leurs associations. Donc, je trouve que c'est une reconnaissance importante du point de vue de la place de la psychanalyse et du sérieux de la formation des analystes et de sa capacité à autoréguler la profession. Clavreul disait que l'avenir de la psychanalyse, puisque vous m'avez posé la question, était loin d'être assuré. Et il disait, au fond, la psychanalyse, c'est un discours nouveau, un discours qui n'a jamais existé précédemment. On peut même peut-être dire que le désir d'analyste est un désir nouveau. Il disait, mais c'est pas... Il y a déjà eu des discours qui sont nés comme ça à une époque et qui après ont été refoulés, qui ont exercé une certaine influence et qui ont été refoulés. Et il prenait l'exemple du discours médical, en disant il est né du temps d'Hippocrate, il était constitué, simplement il a été totalement refoulé, il est revenu simplement à l'époque moderne, et c'est à ce moment-là qu'il s'est constitué vraiment en discours. C'est un exemple, je me dis que c'est pas impossible, malheureusement, que la psychanalyse se trouve étouffée par tout un tas de, je dirais, sous le poids convergent de tout un tas de facteurs culturels, sociétaux, anthropologiques, je sais pas quoi, et que ce soit un discours qui soit refoulé, non pas qu'il disparaisse, mais qu'il disparaisse dans le refoulement. Et de ce point de vue-là, en tout cas, puisque vous me demandiez ce que je souhaitais, je vais faire en sorte que de ma petite place de psychanalyste, ça, je dirais, de reculer le plus possible cette éventuelle échéance. Voilà.